Alors déjà pour ceux que ça intéresserait, il y a une, vous avez une commande, vous pouvez voir toutes les actions en jeu disponibles avec les subs et enfin avec les subs, avec les points de chaîne, avec les dons, bref tout ce que vous voulez. Et puis juste c'est parti en fait. Aujourd'hui les gars, la dernière session on a galéré. De voir ta petite trogne. Dernière session on a galéré de fou à trouver un endroit pour faire notre maison. Pour finir on a trouvé ici. On a décidé que ça serait l'endroit où on allait construire. Les gars c'est magnifique, genre regardez cette beauté. C'est juste sublime en fait. T'as joué en off? Non, jamais je ferai en off ça. Jamais. Voilà l'endroit. Et du coup, j'ai décidé que j'allais créer une gigantesque tour ici. Donc là, ce qu'on va faire, je pense que dans un premier temps, on va se faire une petite session récolte en gros de bois, etc. pour créer un truc, une structure en bois. Et petit à petit, en avançant dans le jeu, on améliorera la structure. Genre tes réponses, ouais exactement. Je pense que je vais me faire une grande tour. Et que... comment ? C'est pas du tout pratique ces bottes pour se battre. Qu'est-ce qu'on loupe ? Ah, je crois que j'ai eu ça que j'avais déjà. Ok, je vais ranger ça là-bas. Merde. Du coup, je pense qu'on va se faire une session là, les gars, où on part et on récolte la masse de ressources. Je sais pas ce que vous en dites, mais je pense que c'est le meilleur call, moi, perso. La masse de ressources pour fabriquer notre baraque. Et y a moyen d'avoir un petit slash seed que je me chauffe à build un petit truc. Tu veux build où, Valdi? Slash seed. Tiens. Putain, le silverfish. C'est tellement insupportable, c'est tellement dur à cibler et tout. Juste, Valdi, si tu peux faire un truc qui interfère pas avec ma survie, c'est cool. T'as le compteur ER. Ah merde, j'enlève. Attendez, bougez pas. Merci. Pouf. Merci, Recto. Merci beaucoup. Ok. Ok et ok. T'inquiète. Ok. Merci beaucoup, Recto, pour les 4 mois. Ok. Tout est bon. En quoi, en quelle matière je la fais? La maison, déjà, chat. Est-ce que je fais genre une structure en bois? Et après, je l'améliore petit à petit. Je sais pas trop. Merci, Anna, c'est gentil, je regarderai après le live. C'est Maël, ok, ça marche. Je pense que le mieux, c'est de faire une structure basique, on va dire, tout en bois. Et après, petit à petit, quand j'aurai des ressources, etc., je pourrais la refaire avec les bons matériaux, quoi. C'est la redesigner. Genre, dans un premier temps, je fais vraiment un truc en bois basique. Et après, petit à petit, on l'améliorera et tout. Hello, la camour. Je pense que je vais farmer un peu le bois. Je vais faire un mix de bois et de pierre. Déjà, ah mais on a déjà miné en fait. On a déjà fait un accès à une mine là. Ici. Oh non, c'est pas possible. Je serai jamais tranquille. Ok, là faut surtout pas mourir parce qu'en vrai si je perds mes 122 levels, j'aurai un peu le seum. Est-ce que je ferai pas... Non, je l'ai tapé sans faire exprès. Oh, il est bloqué dans l'arbre. Qui a fait un éléphant? C'est quoi cette merde? Ah c'est sub niveau 3, merci Oep. Oh non, ton éléphant, il a spawné au mauvais endroit. Pardon, Oep. Oep, je suis désolé pour ton éléphant. Alors, c'était pas prévu, Oep. C'était pas prévu. Il était en train d'agoniser, je l'ai aidé à en finir. C'était pas prévu, ça. Ouf, ok. Ok, bon, je vais remonter. Oh, bâtard. C'est horrible, ce truc. C'est joli, le sable, comme ça, aussi. Je me fais un truc pour remonter, parce que je pense que ça va m'arriver souvent de tomber. Bon, les gars, attendez. Il faut qu'on fasse le plan, déjà, là. Est-ce que pour vous, c'est un bon call d'aller farmer du bois et de la pierre ? Et de tout créer en bois et en pierre et d'améliorer plus tard le design. Pour le moment, genre faire juste un truc. Vous en dites quoi? Il est mieux ce shader que l'ancien. Ouais, celui-là, il est vraiment trop stylé. Oui. Ok, vas-y, let's go, je fais ça direct. Ça, c'est bon. Va te faire éduquer par ta pute de mère, Isido. Ok, ça, j'enlève. Ça, je le dégage. J'enlève tout. Je vais juste drop tout ici, en fait, au pif. Ça pareil. Là je vais mettre ça, si jamais il y a des poulets les gars c'est que ça va être une bonne aventure. Ça va être la grande surprise. Oh non, j'ai target une poule. 1
Ok, on n'aura jamais de poulet avec les poulets des subs. Je pense qu'ils peuvent pas. Je pense qu'ils peuvent pas faire de. Ils peuvent pas faire de poulet. Vos trucs. Pas les mamans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on avait dit pas les mamans, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va pour cette fois. Je suis pardonné. Ok, ça je garde, ça je garde. Et là, on est parti pour farm tranquillement. Le bois et le truc. Alors attendez, je réfléchis juste à ce que je prends comme bois. Est-ce que je profiterai pas d'être là? Non, remarque, je vais prendre du bois. Je vais prendre ça. Parce que c'est le plus beau bois du jeu. Et je vais les replanter après. Ah, mais en fait, il y en a à la masse. Attendez, c'est magnifique. Je prends absolument tout ce que je peux et je replante tout après. Je vais en prendre la blinde et puis je la remettrai ici. C'est incroyable le truc où les arbres ils disparaissent direct. Vraiment les gars, c'est, ça c'est magnifique. Hein. Et le chat. Du coup là si je le déconnecte tout là, il disparaît. Ouais putain, c'est trop bien. C'est vraiment le meilleur mode ça. Hein. C'est, ça c'est exceptionnel. Hein. T'as pas à attendre à te faire chier. Merci Omelette, merci beaucoup pour les 7 mois, c'est gentil. Et bienvenue à ton poulet normalement. Ah bah il est là. Merci beaucoup Omelette, c'est très gentil. Ok, nice, on est bien. Je devrais peut-être faire une story ou un truc sur Insta, non, pour prévenir. Vous en dites quoi, chat? Si Yoshi, t'as semblé me dire de le faire, attendez. Je vais faire. Je vais prévenir les viewers. Je vais prévenir le canal, vous savez quoi, aujourd'hui. Les amis, Aventure Minecraft tout de suite sur ma chaîne où vous contrôlez tout ce qui se passe en jeu. Donc c'est horrible pour moi et j'ai envie de me tuer, mais vous au moins vous allez passer un bon moment et rigoler. C'est tout de suite, cherchez le lien dans le canal, j'ai la flemme de le mettre. C'est bon chat, le canal est prévenu. Ouais, il se met à l'ombre, il sait qu'il peut me fumer comme ça. Voilà, il m'a fait un 3-6 bien humiliant. Ok, nice, j'enchaîne. On va être bien. La pub approximative. C'est une super pub, non? Moi, perso, j'aurais cliqué direct, mais bref. Silverfish abominable. Et c'est moi. Ok, j'allais dire c'est moi où il n'y a pas de graines, mais en fait, ça va, on en récupère. Donc, c'est good. Merci. En vrai, de vrai, j'ai remarqué que Foxy, son but numéro 1, c'était de me pourrir la vie. Hein. À chaque fois, je me fais invoquer toutes les merdes du monde. Ok, ça c'est bon, ça c'est nice, je ramasse absolument tout ce qu'il y a, toutes les pousses, pour les replanter ensuite. En vrai, ces bots, c'est une fausse bonne idée. Hein. Merci pour le poulet, merci Léna. Il est trop beau ton poulet, il est trop beau. On aurait dû l'appeler Chicken Craft cette aventure. Mais en fait, on est à côté de deux biomes, on est entre trois biomes en fait. C'est encore mieux que ce que je pensais le spot. Et on a un village là-bas, on n'oublie pas, on va aller se faire le comment ça s'appelle, le bonhomme raccommodage tout de suite, hein. Enfin tout de suite, aujourd'hui. Faites-moi y penser pendant le live chat s'il vous plaît. Il faut absolument qu'on le fasse. Comme ça, on utilise nos levels et on se fait du bon stuff direct. Il a commencé sa maison, aujourd'hui c'est le but justement, de faire la maison en espérant qu'il n'y ait pas trop de trucs pour me la détruire. On verra. Sentiment partagé parce que tu vois forcément tu te fais offrir des subs, t'es content. Mais j'avoue que là si on me sort un boss de fou qui explose ma maison, j'aurai un petit peu le seum. Merci Mathéo, merci beaucoup pour les 32 mois, c'est gentil. C'est là toute la contradiction de cette aventure finalement. C'est une sorte de mise en abîme de ce qu'est la vie réellement. C'est magnifique quoi. Ok, je récupère tout. J'ai combien pour le moment? J'ai 19 pouces. On a largement de quoi faire. Et niveau bois j'en ai. En vrai, avec ça, on peut déjà faire une base très très solide, chat, non? Je pense que oui, honnêtement. Je replante un peu des arbres. Parce que ça, je serais bien content d'en avoir. Merci beaucoup, Marie. Merci mille fois. C'est gentil. Merci pour le soutien, chat. Vous êtes adorable. Merci énormément. Ok, nickel, on a tout replanté, on se casse. Je crois que j'ai déjà de la pierre. Enfin, genre, peut-être pas suffisamment, mais j'en ai déjà un petit peu, on va dire. Merci Ninu, merci beaucoup pour le prime. En vrai, les gars, ceux qui sub, ceux qui vous savez que vous allez vous subber et tout, je pense que je vais faire garder vos subs, si vous voulez garder votre poulet,
et je ferai des sessions poulailler. en mode toutes les 15 minutes, je viens ici, je me mets en mode poulailler et je vous laisse 30 secondes pour avoir votre poule parce que moi j'ai envie que vos poules elles restent ici. Genre j'ai envie d'avoir des milliers de poules et que toutes les poules ce soit vous. Tu peux faire un petit F3, ouais. 9 tiens, voilà. Mois et pas fin poulet. Merci beaucoup pour les poulets, c'est gentil. Après 50 subs, ça va en vrai, ça te fait une belle poche. Bah, alors oui, mais en vrai de vrai, je vraiment, premier degré, je passe une journée à crafter ma maison et on me la détruit à la fin. Je suis pas sûr que ça me mette, que ça me fasse très très plaisir, quoi. Je suis pas certain. L'incajam. Ok, je pose un peu les plantes. Je vais mettre une des playlists. Merci Julio, merci beaucoup. Je vais mettre une des playlists de Nina parce que celle-là, on n'en peut plus. Je peux plus me l'entendre celle-là. Playlist joie de Nina. Voilà, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Enterre tes coffres, vraiment genre 15 box sous terre. J'ai trouvé l'idée parfaite pour les coffres. Focus. Je vais créer toute une salle en obsidienne et je vais la faire pendre à une arche, je pense. Mais ça sera beaucoup plus tard. Ok, je vais dormir. Merci Rico pour les 100 bits, merci beaucoup. Juste pour prévenir qu'il faudra moins compter sur moi pour le subcraft car c'est la merde pour acheter une voiture maintenant. Rico, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Je compte sur personne. Je compte sur moi. Merci Isa, merci beaucoup. C'est magnifique la montagne de frites. C'est magnifique. Merci mille fois pour les 5 subs Isa, merci beaucoup. Ok. Vous pensez que la base de ma tour doit être épaisse comment? En gros... Moi je ferais bien... Attendez, je vais faire un truc de 5 sur 5. En gros c'est pour monter dans ma tour et après en haut de ma tour j'élargis. En gros j'ai une base pour rentrer, genre un pilier pour rentrer. Et après je veux un énorme truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre ça suffit pour faire une tour et monter dedans. Comme base. Je pense que oui. Je pense que ça suffit, je réfléchis, attendez. Prends ton poulet, merci Alex, merci beaucoup. Très beau poulet. 5 sur 5 c'est bien. Pour la base de la tour je pense aussi que c'est bien. Sinon je fais 7 sur 7. Mais j'ai peur que ça soit vraiment trop grand. Attends. 6, 7. 7 sur 7 ça fait ça. Vous me dites sinon je rebouche, hein, on s'en fout, c'est juste pour voir les gars. Oh, ça sera peut-être plus stylé d'avoir un truc un peu imposant en vrai. Je pense que c'est mieux. 7 sur 7, je pense que c'est mieux. Ok, ça, je vais l'utiliser juste pour marquer mon truc. Je vais l'utiliser juste pour marquer la base de ma maison. Je vais faire... Attends. Ça déjà je peux remplir, on verra après ce qu'on met, peut-être de la pierre ou quoi, mais dans un premier temps je vais mettre ça. Ok. Ok, ça c'est bon, après. Je vais faire 2-3 pour le moment, c'est juste pour préparer le... Oh putain. Ok. Il m'en manquait après la base, pas grave. Ok, nickel. Merci Vaïs, merci beaucoup. Salut, pour les 32 mois, mon poulet. J'ai un problème. Depuis que tu es papa, j'ai l'impression que tous tes viewers sont vieux. J'ai l'impression d'être allé faire cannot like si link a finito, link a rebord de la mais Vaïs, va te faire foutre. Va te faire foutre. Par contre, réel chat, on a fait sortir tous les vieux de... Tous les viewers personnes âgées qu'on a, ils sont sortis de leur tanière depuis que je suis papa. C'est très réel, hein. Oh non, FF. C'est vraiment réel. On a fait sortir tous les vieux de leur tanière. Le nombre de gens qui sont darons là, qui viennent et tout, tous les jours, qui me disent « Oh, ben moi aussi je suis daron, nanana », c'est abusé. Ok, ça c'est l'entrée de ma maison. Je réfléchirai après à ce que je fais pour la porte et tous les gars. Mmh.
Parce que là, niveau entrée, c'est peut-être pas très très beau pour l'entrée de ma tour. Et en plus, il faut que je choisisse un endroit qui sera fermé. Parce que je devrais faire un escalier, quoi. Comment je vais faire? Mon fils a 10 ans déjà. Et je te regardais avant que tu sois daron. Putain. Bah après, ça, c'est pas dur, vu que ça fait vraiment 2 mois que je suis daron. donc ça va encore. Ça va encore, mais t'es sorti de ta tanière, toi aussi, voilà. Les langues se délient, maintenant. Escalier en colimaçon. Genre, parti depuis le milieu, l'escalier? Ça va pas être bizarre, un peu? Je fais des tests, chat. Oh, bâtard. Ok. Je fais quoi? Je fais des dalles, chat? Je vais tester comme ça, attendez. Genre des trucs comme ça? Ou je mets de l'escalier direct? En fait, escalier, je vais me cogner là. Si je fais des demi-dalles, je vais me cogner, forcément, ça sera pas bon. Je suis obligé de mettre escalier, je pense. Dalle, mais c'est pas possible, les gars. J'aurai pas assez de hauteur. Attendez, je les détruirai après pour vous montrer. Logiquement, si je fais ça, j'ai pas assez de hauteur après, je pense. Genre là, je peux pas passer en dessous. Tu vois? Bon, faut que je monte de 1 à chaque fois, en fait. Et je fais le test. Vous préférez dalle que escalier, déjà? Au moins, j'ai l'info, déjà, du chat. Vos avis? Oui. Ok, alors, attendez. Je vais réfléchir à comment faire pour pas me cogner avec. Genre, si je fais comme ça... Est-ce que ça passe? Ou pas? Ouais, mais du coup, c'est en sautant, c'est pas beau, non? C'est chum, non, les gars? On dirait un arbre à chat? Je vais tester avec des escaliers juste pour voir. Ça, j'aime pas, en tout cas, sûr, déjà. Monter comme ça, ça me plaît pas. Ouais, mais j'ai pas le choix, les mecs. Non, attends. Je vais faire escalier, les gars. Je pense qu'escalier, c'est le bon call. On va tester pour voir. Putain, mon inventaire. Ok. On va tester les œufs d'abonnés. Les gars, je vous jure que les œufs ils fonctionnent pas dans le truc. Mais les gars, on n'a pas eu un poussin depuis le début de l'aventure, hein. Ouais, mais les coins ça va être pas beau du coup. Attendez, je vais tester comme ça, chat. Genre, je fais ça, j'en fais plusieurs. Juste voir si c'est mieux pas bien, ou pas bien. Ah oui, merde, ça je pourrais pas poser. Genre, si je fais comme ça. Ah oui, mais merde. Genre, tu vois, là, je peux faire ça, mettre une dalle par exemple. Et après mettre un escalier ici. Là, juste ça, c'est un peu moche. Et si je mets une dalle en dessous, je vais me cogner la tête après. En vrai, ça, c'est pas immonde. Donc, en fait, c'est tu fais un escalier, une dalle, un escalier, une dalle. Comme ça. Un escalier, une dalle, un escalier, une dalle. Et ça passe par en dessous. Normalement, j'aurais pas de soucis, je devrais pas me cogner. En vrai, ça passe, ça. Et puis, en plus de ça, comment? Si ça, on a un escalier, on pourra mettre des lampes. Je vais faire à l'arrache juste pour qu'on voit. Mais on pourra faire quelque chose d'un peu sympa. Là, par contre, je pourrais pas.
Ou genre, en vrai, c'est pas mal, ça j'aime bien. C'est juste cet endroit, il me perturbe un peu. Mais on pourra peut-être faire en sorte de combler le vide avec quelque chose ou quoi. Ok, il nous faut des troncs bruts. Il nous faut des troncs bruts. Tu mets une lampe et un escalier ou un truc, ça pourrait être pas mal. Attends, escalier à l'envers en dessous, c'est pas con du tout. Je vais regarder juste pour voir si ça fonctionne sans qu'on se cogne la tête. Ah, et tu mets... Attends, ouais, non, ça va faire moche. Regarde, ça fait un petit recoin en fait. Parce que l'escalier, c'est ça. Donc je pense que c'est pas possible. Une trappe. Ah, une trappe, il y a peut-être un truc. Une trappe, attendez. Ah mais non. Ah mais si, 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 on peut, j'étais en train de réfléchir, mais si, on peut. Une trappe, c'est comment déjà? C'est comme ça? Attends, merde. J'en fais deux, c'est juste pour test. Pour voir comment ça rend. Parce que si ça crée une épaisseur en plus, ça peut être pas mal. Merci Adam, merci beaucoup pour le... ou Adam pour le prime. Ça, c'est pas mal en vrai. Oula. Ça habille un peu le truc, ça réduit le décalage. J'aime bien, chat. En vrai, c'est pas une mauvaise idée, je trouve. Ah, et ça, en plus, je pourrais courir à l'intérieur. Attendez, je note l'idée des trappes. Non, attends, tu sais quoi, je vais en laisser une. Comme ça, j'aurai l'idée. Voilà, comme ça, j'aurai mon idée notée et je l'ouvre pour y penser. Comme ça, je la verrai et voilà. Il me faut des troncs. Je crois que je vais pas rester longtemps, je suis en train de cuire au soleil. Tu fais quoi, caca? Mais en fait, c'est ça votre problème, c'est que vous êtes tout le temps en train de narguer, c'est le gros problème. Merci, Satap, merci beaucoup pour les 50 bits et merci pour les 100 bits, mon Rico. Vraie question, est-ce que les bébés, c'est comme les chiots? Genre, assis, couché, pas bouger, fais le beau, etc. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter une commu comme ça, en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Je comprends pas, les mecs. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est modé, ouais, l'aventure est full modé. En vrai, oui. Bah, en vrai, pas trop, quoi. Parce que le bébé, il comprend rien, le chiot, c'est plus malin. Ta commu, elle te fatigue de fou. Ouais, vraiment, vraiment, c'est... J'ai rien fait pour mériter ça, moi, à la base. Merci beaucoup, merci Mio. Merci mille fois pour les 12 mois de sub. Et merci encore pour le sub de niveau 3 tout à l'heure. On s'est pas trop arrêté dessus, je reconnais. Parce qu'on était trop surpris par l'éléphant qui s'explosait la gueule dans l'arbre. Mais merci mille fois, vraiment. Ok, je vais aller dormir. Je vais aller dormir. Je vous jure, il y a une volonté de me faire me chier dessus. J'ai entendu le creeper. Le screamer creeper fonctionne à chaque fois. Y a pas une fois où j'ai pas la petite pression intérieurement. Ok, on récupère les graines. J'ai un masque. Ok, j'ai un masque. On fait le côté. Bande d'enfoirés. Je sais pas pourquoi vous aimez autant les invoquer, eux. Ils rendent fous, eux. Barrez-vous, les bouffons, eux. Ok, mort, et le dernier, il est juste là. Côté. Ils sont géniaux, en vrai, je les kiffe aussi. Honnêtement, je les aime bien, eux. Ok, je fais demi-tour. Je vais peut-être replanter un peu plus proche. On a 19 quand même, hein. C'est pas rien. Je me disais bien que j'avais entendu un truc. Je sais pas si les arbres que je pose là, ils vont pouvoir pousser, honnêtement. Gros doute. Là, oui, certainement. Je dors, j'espère que je me fais pas tuer pendant le sommeil. Merci Lenji. Ah, bon bah tiens. Je croyais pas si bien dire. Merci beaucoup Lenji pour les 3 mois, merci mille fois. Juste pourquoi ta hache, elle met...
Oh non. Tous mes coffres, on s'est fait chier, l'autre toujours. Mais mec, mais putain de merde, tout mon bois, tous mes trucs, comment je trie mon merdier là? Je suis dépité les gars. Ok. Ok, alors attendez, j'ai fait deux coffres, je vais les poser quelque part. Et là, faut que j'ai accès à mon coffre et que je le remplisse en temps réel. Je vais faire tous les trucs en bois, je vais faire un coffre de bois. Ok. L'enfer, les mecs. C'est l'enfer, vraiment. Merci, Kiki. Ok, bois, bois, bois. Tout ce qui a un rapport avec le bois, de près ou de loin, je le mets dedans. Attends, en vrai, ça va, on s'en est bien sorti en fait. Je voyais ça plus catastrophique, honnêtement. Ok, bah c'est bon, en fait. Ok, c'est... ça va, les gars. Plus de peur que de mal, on va dire. Mon lit, par contre... Oh non. Mon lit a explosé, les gars. J'ai plus de lit. Ah, il est là. Ok, j'ai un poulet qui est mort. Oh non. Y a rien qui me brise plus le cœur que ça, les gars. Par contre, les gars, je crois qu'il y a un bug des œufs dans le jeu, là. Ah non, ok. Hop et hop, ok. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mes coffres, c'est bon. Je vais reboucher le truc de terre, le trou qui a été fait. Parce que c'est un peu inesthétique. Ok. Ok, on va faire ça comme ça, on s'en fout. Maintenant, je récupère. Merde, c'est vrai qu'il y avait mes fours aussi. Je vais mettre ça là, on s'en tape. Ah oui, j'ai pas cette mon spawn. Bien joué, les gars, ça. Bien joué, vraiment. Ok, ça c'est bon, on peut repasser sur l'escalier. Il me faut ça, 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 ça. On va refaire ça. Ok. La grande question c'est, je monte jusqu'à où vous pensez, chat? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, regardez de l'extérieur et vous me dites ce que vous en pensez. Faut plus haut en vrai, non? Au moins à la hauteur des arbres là, je pense, pour la première partie de la maison. Ok, donc attends. On va monter par là. Hein. Donc ça, on a dit un escalier, une dalle à chaque fois. Escalier... dalle. Merci beaucoup Alex, merci bah mille fois. Jeff, on pue du cul à la loose, gros naze, ça fait quoi d'être pauvre. Voilà, dis-lui bien à Jeff. Ça va le calmer celui-là. La voix, elle a senti tout ce qu'elle avait sur le cœur. Ok, alors attends, ça c'est pas mal. Ah, ça m'a mis vraiment bien la voix. Bah alors Jeff, on pue du cul ou quoi? Ok. Je pense que je fais 5 étages de plus. Là, on devrait être... oh, quoique. Chat, là, c'est bon? Honnêtement, en vrai, faut pas avoir la vue... enfin, faut pas voir trop grand au début, quitte à refaire après. Ah, oh, bâtard, heureusement que j'ai les bottes pour les dégâts de chute, hein. Qui m'a tiré dessus? Bon, vas-y, vas-y, j'arrête. Hop, dégage de la bouffon. Le silverfish, pareil.
En vrai, je pense que là, c'est déjà bien. Je suis EN Vacances en OMG. Joyeux EN Vacances, Mélis. Je pense que là, on est pas mal, honnêtement. J'attends d'avoir votre avis, parce que bah c'est notre maison, quoi. Donc, faut que ça plaise à tout le monde. Mais je me dis que dans un premier temps, faire un truc entre guillemets raisonnable comme ça, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'il faut pas oublier que là, on est chill, mais à tout moment, quelqu'un casse les couilles en invoquant une dinguerie et on perd tout. C'est moche. Vraiment, personne t'a demandé panique. Personne. Ok. C'est la musique du jeu, je préfère. Si t'as demandé... Non, vraiment pas. J'ai demandé la hauteur. J'ai pas demandé votre avis sur la beauté du truc. Surtout que tu peux pas dire c'est moche quand un truc est même pas commencé. Et en plus de ça, je connais la chanson, en fait. Et je vais faire le truc. Et tout le monde me dira dans une demi-heure, oh, c'est incroyable, c'est trop beau, parce que c'est tout le temps pareil, en fait. Attends, tu viens de couper Avicii, là. Exactement. Exactement. Merci, c'est gentil, BLD. Ok. Je pense que là, on est pas mal. Après, il faut que je remplisse toute pierre. Ça, il va falloir qu'on farme énormément les mecs déjà là. Et il faudra choisir où est-ce que je fais des ouvertures, mais dans un premier temps, je vais tout fermer. Et on réfléchira après à comment on fait pour faire des fenêtres, faire un truc un peu joli, des rebords, des trucs, tu vois. Je crois que j'ai oublié un bloc. Hep, il sort d'où, lui? On mettra des pierres moussues et tout le merdier aussi, hein. J'aurais dû... Oh, bâtard. Oh non, mais attendez, rien ne va là. Ok. Il est où l'énorme truc, là? J'ai eu trop peur, moi aussi. Attends, je pense que je peux le tabasser de l'extérieur. Mais pourquoi il vient pas? La musique, elle va pas du tout avec, c'est tout chill et tout. J'ai une armée de merde qui m'attaque. Il faut qu'on refasse une hache. Oh là là, c'est trop chiant, les gars. Ok, la fin de ma hache. Quel enfer, putain. Merci, Zafouk. Visage chat romantique. Merci beaucoup. On est à la Paris Games Week, là, vraiment. L'enfer, sa mère. Mais t'en trouves des slimes aussi gros dans la nature, là? Ok, nice. Nickel, on est bon. Genre, j'ai l'impression que j'ai jamais vu aussi gros. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, il me faut une nouvelle hache d'urgence. Ok, ça c'est bon. Là, dans un premier temps, les gars, la maison, ça va être ignoble. Hein. Ça va vraiment être trop moche. En tout cas, bien joué, le slime, ça a vraiment failli me mettre dans la merde. Et il va nous falloir encore des troncs pour faire tout le truc. Quelle horreur ça va être dans un premier temps, la tour. Mais bon, là, on fait vraiment un truc basique. Et on améliorera petit à petit. Hein. J'ai pas le choix, de toute façon. Oh là là. Il y a Bob le bricoleur. Eux, ils lootent des trucs, je crois. Ah, un de fer. Bon. On va faire avec, hein. Ok, je vais élargir ma mine. Et ça va nous permettre de ramasser des trucs. Pour la suite, on en aura besoin de toute façon d'élargir ici, donc autant en profiter. Stylé ta maison. Dreamers, comment t'as écrit? J'ai envie de me foutre en l'air, mais merci quand même. Merci quand même, mais plus jamais ça, s'il te plaît. Élargir en hauteur, ouais, je vais faire aussi. J'élargis et en hauteur et en largeur. Ok, nice, on est bien. Bah quoi, tu styles pas, toi? Si, je style souvent.
C'est réel, c'est réel. Ok, je vous remets la musique. Au secours. Au secours, on met 122 level. Vous êtes vraiment des chiens, sérieux. Vous pouvez pas me laisser profiter de la vie tranquille? Ah, quand t'écris ça, ça se dit CCDA. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça je récupère. Je me remets en mode prof de français comme on avait dit là. Je corrige les abjectes fautes des abonnés. Ok, pas mal, au moins on scanne plus nulle part. J'enchaîne, hein. Il nous faut beaucoup de pierres donc je vais faire toute la mine. Jusqu'au truc en dessous. C'est apostrophe AH. Ignoble. Ok, on avance bien là. On avance très bien même. Ok. Ok et ok. On a récupéré un paquet de pierres là. Je vais reconstruire en autre chose. Genre en ça. Ok. Non, ça je peux enlever. Ça je peux enlever. Ok, ça me fait un bon accès là à la grotte. Je vais récupérer plein de pierres ici. Je me rends pas compte de combien de pierres j'ai besoin. Je vais tester avec ça déjà. C'est horrible de monter avec les pattes de lapin, les gars. Ah non, ça va en fait en ce moment. Ok, on va dormir. Passer la nuit d'urgence et c'est bon. C'est quoi la différence entre C et C? Je comprends rien, c'est trop compliqué. Alexandre, ferme ta gueule. Voilà la différence, ferme ta gueule, sale troll. Mais c'était bien fait en tout cas, c'était un très bon troll. Très bon troll, tu m'as bien eu. Ok, hop, on rebouche tout. Les gars, dans un premier temps, la tour, elle va être ignoble, hein, vraiment. Ok. Ok et ok. Nickel. Ok, j'enlève tout ça. Oh là, le creeper, je l'ai vu. Hein. Il prend les escaliers. Non. Non, 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 non. Ok. Mais pourquoi ces creepers-là, ils ont une autre gueule? Je capte pas trop. C'est genre des creepers par biome? Ou c'est les creepers avec ce pack qui ont cette gueule-là? Ok, l'autre côté. Je vais pas avoir assez de cailloux, il me reste plus que 25. Là, je suis dans la grosse merde, là. Je t'ai pas mis le pack de texture et ressources pack, non? Je sais pas. Je crois que j'ai tout, Lucky, hein. Ils sont changés. Ah, ok. Bah, je préfère les creepers de base. Ils sont plus jolis. Ceux-là, ils sont ignobles. Voilà, je le dis. Je devais pas en parler, mais j'en parle. Je sors du silence. Ces creepers-là, ils sont dégueulasses. Ta maison, c'est un moulin. T'inquiète, après, ça va être incroyable. C'est juste, il faut un peu de patience. Et là pour le moment on fait un truc vraiment rudimentaire. On va retourner chercher du bois normal et de la pierre. T'aimes trop dire ignoble, c'est mon mot ignoble. Je récupère plein de troncs. Je vais aller un peu plus loin. Faire de la déforestation là. Genre voilà vers ici par exemple. Oh l'arbre là-bas il est immense, genre la masse de troncs. Après, ceux-là, c'est un peu du gâchis. Non, vas-y, je les pète pas. Les gros, c'est un peu du gâchis de les enlever. C'est tellement dur à avoir. Je vais plutôt péter les normaux. Ok, et ok. J'espère que je suis pas en train de péter le mauvais. Non, c'est bon. J'ai envie d'écouter de la musique chill, là. J'ai envie d'avoir une petite playlist chill. Genre, pour Minecraft, y a pas mieux.
T'as un coup de Lofi, machin, là, y a pas mieux que ça. Attendez, j'en ai une normalement. Ah ouh, ça alors. Ok, je mets ça en fait. Je mets ça. Oh non. C'est vraiment dur à choper les silverfish, hein. C'est horrible. Ok. Ça se sent pas direct dans un chat quand c'est les vacances scolaires, les gars, sérieux. Moi, je vous dis la vérité, je... Popular opinion, si. C'est un truc de fou, c'est horrible. Si, ouais, c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi, à ce point-là. Genre, tu sens vraiment une différence, genre, il y a vraiment des gens... Il y a vraiment des... Il y a des petits, ils ont pas le droit d'avoir l'ordinateur, sauf pendant les vacances. Ça se capte instant. Tu peux dire que c'est les vacances en lisant ton chat. Twitch, c'est une folie quand même. Contrairement à hier soir, par exemple, grosse 10 fois, c'est sûr, quand tu stream à 2h du mat, c'est pas la même. Hein. Mais c'est fou la différence à ce point-là. MDR, je me fais tacler. Je vous jure, il y a tellement de gosses là, c'est horrible. Je lis des trucs, j'ai envie de pas lire mon chat. Je vous promets que c'est vrai. Merci Tiani, merci beaucoup pour le Prime. Merci mille fois. Oh, waouh! Mais c'est quoi? C'est de l'eau en dessous? Oh les gars, j'ai vraiment envie d'aller voir. J'ai trop envie d'aller voir. C'est pas de l'eau? Bah si, s'il y a des blocs comme ça. Si, regarde là, il y a de l'eau qui coule. Attends, mais what? Mais attendez, j'ai un truc énorme là à côté de chez moi. Bisous, caca. J'ai un truc gigantesque là. C'est littéralement juste à côté. On a une grosse faille, ça m'est vraiment très très bien. Oh, le bruit du creeper m'a eu alors que j'étais dans l'eau. Hein. Ok, je vais casser ça, casser au-dessus. Et faire un accès à ce truc. Attendez, je monte par là. C'est terrifiant cette merde. Hein. Et je recule. Nickel. Et au moins on a un accès. Ok, nice. On a un accès, il faut juste que je puisse me le marquer ou faire en sorte de le repérer, quoi. Oh non. Oh non, oh non. Oh la grosse flemme. Ok, attendez, c'est pas grave. Je vais refabriquer. Hein. Je l'ai vu partir à l'autre bout du monde, mon truc. Je l'ai vu glisser dans le toboggan. C'est pas... Merci, Simon. Merci beaucoup. Ça a vraiment fait. C'était pute. Oh, quand j'avais plus de hache, le timing aurait pu être terrible. Hein. Merci, Hugo, d'être un enfoiré. Oh. Mais non. Ah putain, ça se porte à la ceinture. Attendez, par contre, c'est archi broken. Regardez le nombre de cœurs que j'ai gagné. Après, si je le mets, c'est fin du double jump.
Il y aura pas de côté. Vous voulez le côté? Bon, d'accord. Bon, je vous le donne. Vous allez donner tous vos primes pour Linka, il mérite de fou. Merci Romy, merci beaucoup. Réel. Tank avec son boubou, lui. Bâtard, allez hop, dégage de là. Je les kiffe en vrai. Ok, ça, ça dégage. Il faut absolument que j'ai un repère pour retrouver ce truc. Je sais pas si je garde, en fait, le double saut. Remarque, le double saut, pour ce que je suis en train de faire, c'est pas très pratique. Je peux le dégager. En vrai, je peux le dégager, je pense. Ne pas m'en servir. Ok. Je vais faire comme ça. Là, je me mets un repère à côté. C'était ici. Hein. Je vais me faire une mini tour en bois, je pense. Et je saurai qu'au pied de la tour en bois, il y a un truc. Ça, je devrais le repérer facilement. Bah, voilà, une tour avec un poulet dessus. Merci, Jérém. Merci beaucoup. Je pense que je trouverai vite. En vrai, le nombre de cœurs que j'ai, là, c'est incroyable. Hein. Je vais garder ça. C'est trop fort. Le jeu Vanyad se semble tellement fade après, ouais, réel. Hein. C'est très très vrai ça. Cheat abusé Imo, ah c'est trop fort ça. C'est vraiment trop fort. Ok alors. Enlève. Mais comment ça enlève? C'est des trucs que vous avez mis vous dans le jeu. Bande de poulets. Ils ont mis un truc dans le jeu et après ils se plaignent. Oh non mais c'est trop fort ce qu'on a mis. Ah bah ouais, bah fallait pas le mettre. Fallait pas le mettre, c'est de votre faute. On peut pas retirer les trucs trop cheat. Donc j'ai pas le droit au truc plus 5 coeurs. Bande de chiens. Je le mets dans ma collection. Je le mets dans ma collection. J'ai le droit. Ça j'ai le droit en vrai. Ok, du coup j'ai remis Cloudy truc là pour le double saut, c'est trop pratique pour build. C'est presque comme si je buildais en créatif là. Ok, là pareil. Là, pareil ici. Ok. Maintenant. Ah putain, j'ai déjà plus de pierres. Les gars, c'est trop moche, regardez la gueule de mon truc. Pour le moment, on est sur un truc abominable. Hein. Pour le moment, on est vraiment sur un truc qui est pas très esthétique. Merci de livrer. Merci mon cactus, merci beaucoup. Ça, je vais augmenter les trucs. Attendez, je l'ai vu. Hein. Ok. Ça, je vais augmenter la taille des portes. Et je mettrai des escaliers, des trucs comme ça pour rendre le design un peu plus joli. Parce que là, dans un premier temps, on est sur quelque chose de vraiment ignoble. Un moulin, t'as peur. Les gars, je vous ai dit, dans un premier temps, horrible. Dans un second temps, classe de maître. Classe de maître. Et je pèse mes mots. Ok. Il me faudrait un coffre à bordel, hein. Je garde ma dirt. Je pose mes bois. Je vais fabriquer des trappes. 18 trappes, je suis pas sûr que ça suffise. Ok, je vais faire pareil ici. Et je vais poser les trappes, voir si c'est joli. Et voir ce que ça donne si je les ouvre. Ça va peut-être faire un peu moche. Ah merde, mais je peux en mettre que dans les trucs. Je les ouvre pas, chat. Hein. On est d'accord? Je les pose juste en dessous des escaliers à chaque fois. Pour faire un d'épaisseur en plus. Et que ça soit pas dégueulasse. Ouais, je vais faire ça. Ok.
Donc sur le truc du milieu, à chaque fois, une trappe. T'es cranky ? Hein ? Apanya ! Du coup, là, il y a un zombie. Papouli, papouli, strafou. T'es cranky ? Hein ? Apanya ! Là, il y a un zombie, ça veut dire ? Papouli, papouli, strafou. T'es cranky ? Où est-ce qu'il y a un zombie ? Apanya ! Mais il n'y a pas de zombie. Je comprends pas, putain. C'est pas les zombies, les gars, ce truc. Va le tuer, je t'en supplie. Mais il est où? Il est où? Oh, c'est insupportable, sa mère. T'es cranky ? Oh ? Apanya ! Papoubi, papoudi, papouli, papoudi, strafou. Il est où ? Il est où le zombie ? La con de sa mère ! Sous terre, bah peut-être, hein. Bah attendez, je vais farmer du... je vais farmer de la pierre. Je vais faire un dépaisseur en plus, je pense. J'ai récupéré toute la pierre que je peux. Je vais en prendre la masse. Le problème, c'est que du coup, en faisant ça, les mobs vont pouvoir spawn. Donc c'est pas terrible. Oh bâtard, ça fait toujours peur ça. Oh, le combo Silverfish, c'est vraiment le but est d'en finir quoi. Musique Minecraft obligatoire. On la décorera plus tard, notre mine aussi. Hein. Parce qu'une mine bien décorée, c'est magnifique. Oh, j'ai un aimant. Ah oui, putain, ça c'était nul. On avait testé, en vrai, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais vraiment, c'est la déception de fou. Merci, Dever, merci beaucoup. Et puis la mayo avec l'huile d'avocat. C'était dégueulasse. C'était vraiment pas bon. Il faut pas faire de maillot avec de l'huile d'avocat, faut faire avec de l'huile neutre. Genre pépin de raisin ou tournesol. Vraiment, c'est trop bizarre. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il faut pas faire la mayonnaise avec de l'huile d'avocat. On avait pas le choix, il y avait que ça, mais c'est pas très bon. Et en plus, du coup, ça coûte une couille parce que l'huile d'avocat, c'est hyper cher. C'est tellement apaisant les musiques de Minecraft. Quel kiff. Merci pour le poulet, merci couteau de travers. Le petit poulet pour Link. Les gars, sincèrement, merci beaucoup pour tout le soutien et tout. Que ce soit pour l'aventure ou pas, en vrai, il y a tellement de subs en ce moment, de gens qui... Enfin, vraiment, ça régale de fou, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour ça, et je suis vraiment content que cette aventure vous plaise et que ça vous hype et tout, parce que c'est vraiment un kiff. C'est un gros gros kiff, merci mille fois. Mieux que la SMR, ouais, c'est parfait. Genre, c'est vraiment parfait. T'as les crampti ? Un pagnon ? Kwakuchi, Kwaku... J'ai dans la tête, putain ! Kwakubi, Kwakuchi, Kwakusi, Kwakuni, Kwanyu. Cet audio, il me tue de rire, hein. Vraiment, ça a été une bonne découverte. Vive l'IA, hein. L'IA, cette année, ça nous aura bien fait marrer, quand même. Ok, il y a quand même beaucoup de mobs, hein, j'ai l'impression. Ils ont une volonté de me fumer la gueule, j'imagine. Okay, je vais faire une base ici. Mais non, mais en fait, il y a les cris des zombies, là. Donc, c'est pas les zombies qui font les crampti. C'est autre chose. C'est les zombies qui ont un sac. Il a rien compris, il a eu 0 sur 20. Bah, j'ai rien compris, c'est réel. C'est que les zombies qui ont un backpack, ok, putain. Bah désolé de pas avoir compris, désolé en fait, mais visiblement on n'a pas le droit à l'erreur avec cette communauté. Visiblement il est illégal d'avoir le droit à l'erreur, c'est impossible. Dans cette commu. On est comment niveau... Bah en vrai les gars, j'ai largement assez de pierres là, non?
Oh, j'entends mon bébé qui pleure. Je pense que c'est l'heure de manger, là. Pour le petit bébé. Bande de monstres, j'aurais pas dit mieux. Une communauté qui a pour seule volonté de me faire souffrir. Voilà ce que c'est. Je le dis. Alors là, l'accès de ma mine, c'est du sérieux, par contre, hein. Je continue à agrandir ou pas? En vrai, on s'en fout, ça nous fait des pierres, on va en avoir besoin de plein, donc... Je me dis, c'est pas perdu. Je sais pas ce que vous en dites. J'aurais tendance à me dire, go, on détruit tout. Ok. Ça pareil, je prends. Je ramasse tout, la pierre on s'en fout, et je vais enlever toute la terre qui dépasse. Histoire de faire vraiment une entrée de grotte, enfin de grotte de cave qui est colossale. De mine, pardon. Entrée de cave. Tout va bien. Ok, nice. Ouais, là, c'est pas mal. Ça commence à avoir un peu plus de gueule, déjà. J'enlève ça. Je vais ramasser la terre, parce que ça peut toujours servir. D'avoir un petit stock de terre. Ok, let's go. J'ai un bout d'armure qui s'est pété. Le gros trou, il est très beau, mon gros trou. Alors, ça, on pète la gueule. Et merde, j'ai cassé la déco. On va mettre à la place de ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que c'est qui s'est cassé? Bah. Mon casque? C'est mon casque. On met ça sur notre tête. J'ai un nouveau plastron à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que c'est 8. What the fuck, j'ai cru que c'était mon coffre qui pétait les plombs. Ok, ça dégage. Ça, c'est bon. Increase experience drop by creature. Oh putain, alors là les gars, quand je vais faire l'Ender Dragon, vous me faites penser. Hein. Quand je fais l'Ender Dragon, vous me faites penser, les gars, je prendrai ce truc. Qui augmente l'XP que je prends. Ça va, je pense que c'est abusé. Tu mets ça plus le dragon, d'après moi, t'es richissime. Hein. Je pense vraiment que c'est un truc de fou. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on peut mettre la pierre. Je vais poser ça ici. C'est cheaté. Je pense que c'est très cool, ça, en effet, ouais. Ok. Ok. Là, on va commencer à être pas mal, je pense. Après, il faudra réfléchir à comment décorer la tour et quoi faire en priorité. Moi, je pense que le premier truc que je dois faire, c'est la salle des coffres pour pouvoir vite avoir mon stuff en sécurité si jamais il y a une invocation d'un truc qui est fumé. Genre en mode faire une salle en obsidienne, par exemple. Là, je pars, je me fais une quête, une mission et on va ramasser genre 40 d'obsi. Il faut absolument que je trouve de quoi faire la table d'enchantement d'abord. Indispensable. L'end est modifié aussi. Je crois qu'il y a tout qui est modifié. Hein. On va faire le portail du Nether aussi. Mais je pense que le premier truc que je vais faire, c'est fabriquer une table d'enchantement. Parce que j'ai déjà les livres. J'ai déjà plein de livres. Éclairer les escaliers pour pas qu'il y ait de mobs. Le problème, c'est que là, je peux pas... Ah mais si, c'est vrai qu'il y a le truc. Maintenant, il y a ça. Ah mais je peux le poser que en haut en fait.
Je vais faire comme ça, les gars. Et ça, celui-là, je le laisse. Parce qu'on a assez de lumière ici. Je vais dormir. Je vais dormir. On fera la déco de la tour plus tard, les gars. Vraiment, on s'en tape pour le moment. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, on fait vraiment un truc rudimentaire. En haut, je vais faire un... En gros, j'aimerais que ma tour, elle puisse partir dans quatre directions. Genre, vous allez capter, je pense. Genre, un truc qui part vers là-bas. Un truc qui part vers là-bas. De toute façon, vous avez compris, là. Pareil pour l'autre côté, et pareil pour l'autre côté. Et comme ça, je ferai des salles par endroit. Ok, nice. Nice et nice. Tu go village après. Bah là, après, je vais village pour raccommodage et salle pour faire les enchantements. Genre 4 pièces. Oh, non, pas 4 pièces. En fait, je vais faire après un... Hier, on a vu un village et ça m'a inspiré. Et on va faire en fait un truc avec des passerelles qui passent entre les arbres, qui vont là-bas et tout. Genre, ça va être vraiment un complexe énorme, en fait. Là, on fait le truc numéro 1. Bisous Yoshi, pas de soucis. Tu passes en lurk Yoshi ou tu pars? J'ai pas vu. Portail du Nether peut être de n'importe quelle forme et de n'importe quelle taille, même placé à l'horizontale. Donc parfait pour la déco. Oh putain, c'est stylé ça. Ok. Très très bon à savoir ça. Malade, je lurk, ok. Genre là, si je fais un portail ici à plat, je peux sauter dedans et arriver dans le Nether. Oui. Exceptionnel, ok. Du coup, on va se focus sur une salle. On va faire la salle des enchantements en premier, par exemple. Donc, elle sera ici. Vu qu'on va avoir besoin d'enchanter rapidement, on va le faire vite. Ok, et là, on posera mes trucs et tout. Et puis, je verrai comment j'agrandis, comment je fais mes machins et tout. Dans un premier temps, on s'en fout un petit peu en vrai chat. Mais vraiment, God save the bot anti-dégâts de chute, hein. Le nombre de fois où je serais mort, les gars. Oh, c'est les chaussures qui courent vite, ça, je reconnais. Heureusement que t'as les chaussures, mais vraiment, ces chaussures, c'est la meilleure acquisition que j'ai jamais faite, hein. Ok, est-ce que j'ai sorti de mon sac mes livres ou pas encore? Visiblement pas encore. Ok, il me faut mon bois avec. Je crois que c'est 45 bois qu'il faut. Non, plus, il faut 90 bois. Et 45 livres, je crois. Donc je fais ça. Ok, ça c'est bon. Et après on fera la table d'enchant. Je ferai un truc pour monter plus vite plus tard, je pense, hein, parce que c'est pas ouf là. Merci Hachi, merci beaucoup pour le prime, c'est gentil. Ok, et là je vais poser ça. Plus tard on fera une déco, on fera le truc bien, les gars. Là c'est juste, je fais le truc fonctionnel pour pouvoir vite m'équiper et pas me retrouver dans la merde. Pas me retrouver dans la merde, comment si jamais les gens... Oh non, le con. Pas me retrouver dans la merde si jamais les gens invoquent des dingueries. Ok. Mais attends, mais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah. Vous me ferez penser à ramener un bout de bois de chat, ok? J'ai la flemme de descendre récupérer. Ça peut se comprendre, je pense. Ok. J'en peux plus de cette commu. À chaque fois, j'ai peur, putain de merde. Merci, merci pour les bits. Ça, pour les, pas pour les bits, pour les points de chaîne. C'est vraiment adorable. Merci mille fois. Ok, maintenant, il faut qu'on aille chercher de l'obsidienne. Il y en avait la masse en dessous, là-bas. Il me faut combien d'obsidiennes, les gars, là? Là, j'en ai 4. Mais il m'en faut 4, en fait.
Il m'en faut 4, je crois. C'est genre ça. Bâtard. Ok. Oh là là, mais putain, c'est pas possible. Tout tombe en même temps. Ok, ça c'est bon. Je remonte. Et je vais faire le truc. Je profite de pas pouvoir courir de toute façon, donc c'est parfait. La cam meurt avant 17h30, bande de chiens. Ok. Il me faut de quoi enchanter. Fais voir si j'ai quoi là-dedans. Bah mec. Du lapis, d'urgence. Je commence avec un Fortune 3, c'est incroyable, hein. Oh putain. Oh là là, s'il te plaît. Solidité, efficacité. J'ai eu tout ce que je voulais. Oh la chatte de fou. Ok. Efficacité 4, Fortune 3, Unbreaking 3. Oh, viens par là toi. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me faut de plus? J'ai tellement de chat, mon dieu. J'ai tellement de chat. Qu'est-ce qu'il me faut de plus, chat? Est-ce qu'il me manque des trucs là-dessus? Il a payé le jeu. Non, là c'est vraiment grave. Il me manque raccommodage et c'est tout, là on est d'accord. Fais gaffe, elle est où ta meuf? Fais gaffe, elle est où ta meuf? Elle est avec ma soeur, ça va. Oh wait. Merci Mathieu pour les 9 mois, merci beaucoup. Elle est avec ma soeur, putain de merde. Attendez, qu'est-ce qui se passe dans ma famille là? C'est quoi cette dinguerie? Ok, j'ai des trucs, j'ai des machins, j'ai tout ce qui va bien. Ok, j'ai mes émeraudes, j'ai mes livres pour trade. Ma pierre en déco, qui se casse tout le temps. Ça part là-dedans, ça part là-dedans. Iron machin, dégage. Va voir ailleurs si j'y suis. Ça et ça, c'est bon. Et on va au village, les gars. Attendez, t'as efficacité 4, il te faut 5, c'est vrai. Le chapeau exact pour diminuer les prix, c'était celui-là. Ok, et chat, question. Comment on fabrique un pupitre? Parce que peut-être qu'il n'y en aura pas dans le village, j'aimerais bien en avoir un avant. Je dirais que c'est bois et trappe, enfin bas et trappe et ça là, mais je suis pas sûr. Bibliothèque et dalle. Ok, il faut combien de bibliothèques les gars? 3? Je crois que c'est 3, mais je suis pas sûr. Une. Ok. Donc c'est genre ça. Ça. Non. Je fais des tests. Ok, let's go. On a trouvé. Ok, ça bouge. Et le village de mémoire. Aïe. Coup dur pour Guillaume. C'était vers là-bas le village. Je crois qu'on l'avait vu par là-bas, chat. Un poil plus loin. C'est avoir un village à côté, les gars, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel parce que si on arrive à avoir tout ce qu'on veut. Oh! Oh! Un Bernard l'ermite! Coconut crab! Attends. Oh, je voulais l'éteindre. Crab meat. Oh putain, mais attendez, ça nourrit bien. Non, bah quoi les gars, faut bien que je découvre. Et coconut, c'est quoi? Ça se mange. Ok, mais merci à lui. Assassin, ok les gars, j'en tuerai plus, promis. Je suis repenti maintenant. Plus jamais je tuerai un crabe. Oh, le village rêvé. Je pourrais voler tellement de lampes. Il y a un champ de lampes carrément.
Mais attendez, mais j'ai jamais vu de village comme ça en fait. C'est la première fois les gars qu'on voit un village comme ça. Ok, salut les mecs. Il va me falloir un collègue là qui prend mon beau métier. Je vais casser ça, la retable de chevet. Je vais mettre à la place ça et on va attendre que quelqu'un vienne prendre le métier. J'espère que quelqu'un peut venir. Ils sont bloqués ou quoi? Ok, attendez, je vais chercher quelqu'un. Je vais chercher ailleurs. Ils m'ont l'air un peu kéblo, eux. Mais il est magnifique le village. Coucou Julie Crampty. Salut Julie Crampty. C'est quoi ça? On dirait pas de l'eau. Je vais regarder. Ah si, c'est de l'eau. Mois déjà. Merci Richou, merci beaucoup. Merci pour les 9 mois. Et ça, c'est quoi? Ok, ok, on prend. La bouffe, il va... Bon, ok, hein, c'est gratuit, les gars. Il va quand même falloir à un moment qu'on se concentre un petit peu sur... sur la bouffe, parce que là, c'est, ça suffit pas, quoi. Nos nourritures, enfin, notre nourriture, elle est un peu nulle à chier. Mais mec... Increase the length of invisibility after taking damage. Ça, c'est pas mal, on prend. Ok. Du lapis gratuit pour mes enchantements, on prend aussi. On se met bien, là, les mecs, hein. Mais où sont les villageois, par contre? J'en ai entendu un pas loin. Oh, mec, double pupitre et tout, y'a personne. Mais ça paraît bizarre, un peu, je trouve, le truc des villageois, là, quand même. Pourquoi y'en a aucun, chat? J'en entends pourtant, mais j'en vois pas. Les deux seuls que j'ai vus, ils étaient bloqués. Y'a pas d'Igor, d'ailleurs, dans le village. Eux, ils m'ont l'air bloqués. Ok, je l'ai peut-être débloqué. Attendez, je vais le débloquer lui aussi. Ok, ok, il va se coucher, parfait, je vais pouvoir l'enfermer. Ok. Je dors à côté de lui et après je vais le taffer. Ils ont l'air bien buggés, ouais, ils ont l'air buggés. Je pense que là, ça va être bon du coup. Mon ref, faut vraiment que tu prennes ce métier, s'il te plaît. Les gars, on a un problème de taille là. Normal ou pas en vrai? A tous les coups, c'est un autre qui prend. C'est un autre qui prend à chaque fois. Aïe aïe aïe, ils prennent tous les métiers sauf les bons métiers. L'autre, il a l'air de prendre les taffes, donc je vais lui enlever ça. Je crois que du coup, il a plus de métier et il faut qu'on lui mette ça. Ok, donc lui, il peut prendre les métiers. C'est mending, hein, les gars, c'est ça? Ok. Je vais récupérer le métier. Le problème, c'est qu'il va aller en prendre un ailleurs. Il y a tellement de possibilités de métier dans leur truc là. En fait, il faut que je le suive et que je l'enferme quelque part. Je vais le suivre et je vais l'enfermer. Ah ben, il a pris le bon taf. Ok, viens. Frérot, viens. Il l'a pris dans... C'était dans quel truc il y avait le métier? C'est pas là. Bah merde. Comment je fais pour trouver son taf, les gars? Ok, c'est là. Il faut qu'il rentre. Le chapeau, mais je travaille pas tout de suite, de toute façon, on s'en fout. Il faut juste qu'il vienne. Je peux le mettre maintenant, mais ça change rien. On a testé l'autre jour, tu peux le mettre après, le chapeau. Il faut que je trouve un moyen de l'enfermer, en fait. Avant tout. Il va venir.
Il va venir. Allez, mon ref. Tu peux le faire. Allez. Ok, nice. Du coup. Curse of Blinding. Donc, rien à voir. J'enlève un, je remets l'autre. Infinity pour 1. Non mais les gars, les soldes, c'est quelque chose, hein. Un livre. Ouais, c'est un truc de fou, il y avait même pas de... Prends... Non, 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 je prends pas parce que c'est le seul qui est pas bugué du village, je veux un mending près de chez moi. Ma priorité, c'est d'avoir mending à la maison. C'est ma priorité absolue. Moi, c'est mending et rien d'autre, là. Ok. Tu te casses ? Whooping ? C'est quoi Whooping ? Fire Aspect, on prend pas. Un enchant de Wafi. Non mais vraiment, par contre, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Hop hop hop, attention, alors lui si je lui mets une tarte c'est FF par contre, hein. Whooping encore. Whoopiness, vous cassez les couilles vraiment. Vous cassez les couilles. Channeling, donc pas ça. On va enchaîner, hein. Ça se trouve on en a pour 12 ans les mecs. Non, pas tard. Non, 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 non. Dis-moi qu'il a pas été blessé. Ok, il a pas été blessé. Ok. Mais putain de merde! Il est inciblable en plus. Non, non, non! J'ai mis ce clic. Merci Plif, merci beaucoup pour les 2000 bits. Merci, ça fait quoi 2000 bits? Chat? C'est quoi 2000 bits? Un cœur en plus. Oh, oh merci mon doudou. Merci beaucoup, doudou. Non, non, non. Non, non, non. Punch. Ok, pas ça. Attendez, attendez. Je vais faire le truc autrement, en fait. Je vais faire le truc autrement. Ok, c'est de la merde mon truc. Je pensais que je pouvais enchaîner comme ça, mais c'est nul. Faut juste qu'il se bloque quelque part. Toucher de soi pour un truc, les gars. Toucher de soi pour un truc. Non, c'est trop grave par contre. Salut Emma. Ou devrais-je dire Manon? Manon, j'ai traité ta commande de booster ce matin. Ah d'ailleurs, putain de chat, fallait que je vous dise, il y a des commandes de boosters, il y a des gens qui ont pris un booster, deux boosters, et le paiement est passé pour un et pas pour l'autre, ces commandes là ça a été annulé, il y en a eu 2-3, donc si jamais vous êtes parmi ceux qui ont pris plusieurs boosters, sachez qu'il faut que vous repassiez commande, j'ai pas eu le choix, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a je crois 2, hein. Looting, non c'est pas ça qu'il faut, c'est mending, j'ai eu un gros doute. Non, non, non. Ok. Ça va vous, ça va et toi?
Oh non, j'ai un masque. Oh sa mère. Les gars, c'est chiant là. Putain. Je suis obligé de sortir. Oh le bâtard, comment il est parti vite. Oh non, il prend un autre métier. Bande de chiens. Je ramènerai un lit plus tard, s'il y a besoin. Putain, il veut pas nous donner un accommodage par contre, hein. Vraiment compliqué. Whooping, mais putain, qu'est-ce que c'est Whooping? Il va travailler dans les détritus, c'est vrai que... Oh! Non mais les gars, le prix... Non, non, non! Ça vaut que 4 livres, là? C'est ça? Est-ce que c'est bon pour vous? 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 Putain, c'est vraiment drôle ça. Vous êtes vraiment des glands, bordel. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Ok, ok. Je peux plus. Donc en fait, c'est 4 à chaque fois. Mec, ça coûte carrément rien. 4 et 1 livre, les gars. Oh non, mon livre. Mes livres. Ok, et mes deux émeraudes, je vais mettre à la place de ça. Ok. Lui, faut qu'on le garde précieusement. Je vais lui ramener un petit lit aussi. Ok. Un petit lit douillet pour mon copain. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh non, je peux pas le poser ici, je dois descendre. Voilà, t'as la belle vie, mon vieux. T'as même une petite lumière, regarde. Oh merde. Pardon pour ça. Voilà, t'as même une petite lumière. T'as tout pour être heureux. Allez, salut mon pote. Il a l'air tellement heureux, les gars. Il a l'air tellement, tellement heureux. Ça me fait trop plaisir pour lui, la carrière que je viens de lui offrir. C'est un étudiant. Bah, les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Voilà, il est là-dedans. Je mets une petite lumière pour le retrouver. Et là, je vais faire du braquage de lumière, les gars. Ah, mais il y a un Igor. Je vais en laisser une par truc. En vrai, une par truc, c'est déjà bien. Parce que c'est tellement chiant à fabriquer. Bah que ça me régale de tout choper, quoi. Cette musique, c'est une de mes musiques préférées de Minecraft, je crois.
Ok, on est bien, on a des lumières, on a notre truc, on va à la maison. My Son Venus, un classique. Pourquoi il nous fait le mec? Pourquoi il nous fait le mec qui connaît le nom des musiques? Non mais ça, c'est trop focus ça. Il fait trop le mec. Ah ouais, My Son Venus. Ok, ok, ouais, c'est un classique celle-là de Minecraft. Il fait trop le mec. C'est grave d'être comme ça. Hein. Quel flexeur, c'est vraiment un prouveur. Parce que je suis fan de ces 418. Voilà, allez hop. C'est reparti pour du flex, encore et toujours. Franchement, ma préférée, c'est Misty Sweden, mais bon, bref. Il fait trop le mec. C'est grave d'être comme ça. On part le mode pack. Il est en vente. 10 euros. 20 euros, le mode pack est en vente. 30, c'était ça, les gars, je me rappelle plus du prix. Ok. Il me faut une enclume, les gars, c'est ça le truc. Je crois que oui. Ok. Pour moi, il faut une enclume, mais je suis pas sûr. Si, si, il en faut une, ça vient de me faire une piqûre de rappel là, cette histoire. Ok. Ok. Ils sont tous gros chiens. Ok, ça c'est bon. Je peux enlever mon chapeau de trader. J'en ai plus besoin. Et on remonte. Et je vais poser mes trucs et tout. Cabu, j'ai continué en off. Malenia, je l'ai battu. Je l'ai éclaté. Je vais peut-être élargir les escaliers. Menteur, ouais, je rigole. Je rigole, c'est vrai, tu m'as percé à jour. Ok, hop. Mettre une petite enclume ici. En vrai, tant qu'à faire, autant refaire une pioche en diamant, non? Chat. Ça, je me demande si je vais pas... Ok. C'est terrifiant, cette merde. Ça fait vraiment peur. Je mets le chapeau dedans. Je vais faire comme ça pour le moment. Je vais remonter et on va voir. Fais une ace en diamant plutôt. C'est quoi une ace en diamant? Tout remonter, ça va être un peu relou les gars, mais je suis obligé de passer par là quoi. On l'a déjà eu celui-là. Can move freeline de water. Ah oui, c'est celui, c'est le scaphandre. Il a zéro dégâts chute. J'ai un item qui est un peu broken. Un item très très plaisant à jouer. Ça c'est bon. Ça, on va remonter le coffre petit à petit. Putain, ça va être un enfer, les gars. Là, vraiment, il y a vraiment du taf. Hein. Ok, je mets tout dans mon sac. Ça va là. Ça, on va en faire un au-dessus. Je voulais récupérer quoi, les diamants, mais il me reste que ça. Je vais faire une épée en diamant plutôt. Hein. Je pense. C'est à partir du diamant où l'épée elle fait plus mal que la hache? Je me rappelle plus. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. J'attends de voir votre avis. Mais il me semble que c'est diamant. Moi je sais que Xonix. Regarde, il a déjà amélioré mon sac. Oui, à partir de l'enchantement, ok. Donc ce que je vais faire, déjà je vais récupérer ça. Je suis trop con, j'en ai déjà un. Ok, je récupère ça. Mes raretés, je vais les mettre là-dedans. Ça, je vais créer une épée à enchanter. Smite, knockback,
Oh, ça m'a fait peur. Je passe la chaîne mon sub. Merci à Kagami, merci beaucoup. Merci mille fois. Je décale sur la rediff. Ah Kagami, t'as tort, on a passé un stream entier à chercher un endroit pour construire notre maison. Enfin, tu fais comme tu veux, mais je serai toi, je regarderai. Enfin, la rediff pour moi, elle sert à rien la dernière. Enfin, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est que si tu veux pas voir juste quelqu'un courir chercher une maison, voilà. Attendez, je réfléchis à ce que je fais là. Je me tâte un petit peu. Déjà, je vais réparer ça. Ah mais non, elle va se réparer toute seule avec Mending en fait. Elle va se réparer toute seule avec Mending, j'ai pas besoin de me faire chier comme ça. Ok, alors attends, tac, j'en prends deux. Elle, je mets un Mending. Voilà, la pioche, je l'appelle la pioche. Elle est incroyable, elle est vraiment trop cool cette pioche. Ok, je vais mettre un coup de réparation. Non, non, en fait, non, même pas, c'est gâché, ça sert à rien. Je mets pas de coup de réparation, rien du tout. Et mon épée, je vais reset ça avec un livre, je pense. What? Ah ok. Unbreaking. Unbreaking, est-ce que ça se met sur la pioche, l'épée, chat? Solidité. Ah mais oui, c'est solidité en fait, ça se met dessus. Sweeping Edge. Knockback. Mais attendez, c'est un livre où il y a tout qui va sur mon épée là. Knockback, je veux pas, c'est trop pourri. Je vais prendre loyauté, comme ça j'aurai. Sharpness, je prends direct. J'ai tellement de chat. Non mais attendez, par contre. C'est quoi cette chat de fou? Elle doit être sympa ta sœur. Attendez, c'est... là en vrai c'est un scandale. Chat, est-ce que je le fais ça ou pas? Je le fais pas, non? Knockback et tout, on s'en branle. Attends, déjà avant toute chose, je vais faire ça et ça. Genre recul, j'aime pas moi perso. Et c'est quoi Sweeping Edge? Non mais en fait... Autant essayer de choper un autre livre. Hein. Ok, ça c'est pas bien. Dégâts de zone. Ah, c'est. Ok, je vois, je me rappelle plus du nom, mais je capte ce que c'est. Ok. Il me faudra un coffre ici. Je vais ranger mes trucs, on va aller chercher. Là, le but c'est qu'on revienne full diamant, les gars. Là, on part pour se mettre full diamant. Ok, ça je le mets là. Ça je garde. Pour comment? Pour me faire des items si jamais j'ai des trucs qui se détruisent pendant notre expédition. Je vais garder la moitié, je pense que ça suffit. Le diamant je garde pour faire les comptes. Mes livres, merde, faut que je remette en haut. Ta fortune, j'ai eu trop de chance. J'ai tout eu là, j'ai vraiment la totale hein. C'est incroyable. C'est bien. Cartoon, toi t'es en vacances scolaires toi. J'ai mon radar à vacances scolaires qui s'agite. Vacances scolaires. Merci Closon pour les 17 mois, merci mille fois. Ok alors attends, ça c'est bon. Ça je le pose là. Oh merci, merci beaucoup Thomas. Merci pour le diamant. Oh bah attendez, je peux faire une hache en diamant du coup. Quoique, est-ce que je devrais pas focus le stuff? Quoique la hache, je vais en avoir besoin pour ma déco. Je vais faire une hache. Je me fais une hache en diamant. Merci beaucoup, Thomas. Ok. Ok, et ok. Il faut de la chance parce que là...
Unbreaking, en fait, on va tout à fait prendre. Et regardez bien, les gars, je vais avoir efficacité dessus. S'il te plaît, dieu du jeu. Non, mais c'est abusé. Les gars, j'ai jamais eu autant de chat de ma vie. Je devrais ouvrir un booster Pokémon, là. J'ouvre un booster, les mecs. J'ouvre un booster. Il y a un hit, là. Il y a un truc. J'ouvre un booster en speed. Je vais vous dire si j'ai un truc. Ok, c'était trop beau pour être vrai. En vrai, c'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. Mais on a une hache de malade. Genre littéralement une hache de malade. Non mais les gars, c'est vraiment, regardez mon stuff. J'ai fait que 3 enchantements. On n'y croit pas quand on voit ça là. Là c'est 3 enchantes. Je vous jure, premier degré, je comprends même pas comment c'est possible. J'ai jamais eu autant de chat sur mes crafts. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai déjà eu de la chatte avec mes crafts. Mais là c'est colossal. Là. Ok, ça c'est mes mending. J'en aurais besoin. Mon smoker, je vais le foutre là, à côté du poulet. Ça, il faudra que j'en fabrique pour plus tard. Donc je laisse là pour le moment. Ok, ça je garde. Lave. Merci Splaxna. Merci beaucoup. Mais si j'ai pas besoin, ça. Si j'ai un poulet, les gars, j'offre un sub. Ok, bonne continuation à vous. Ça. On va le mettre là, je le changerai plus tard, on s'en fout. Pour le moment, on n'est pas sur la déco. Gunpowder, je vais les stocker plus tard, on verra. Ça, c'est bon. Et les gars, on peut partir en mission. Quoi que, attends. Autant que je fasse pas nimp. Je vais direct la poser en bas. Je dors. Et on va chercher du diamant. 52 subgifts, c'est Wither. Si oui, je vais faire un crédit et j'arrive. C'est trop simple son aventure. C'est pas 52, je crois que c'est 50 le Wither. Mais c'est pas obligé d'essayer de tout faire pour me pourrir la vie, les mecs. Hein. Merci, Ousaïla. Vous voyez, ça se passe très bien. Regardez les reflets. Un chameau à deux boss. Chat.mo. C'est vrai. Très bon moyen mnémotechnique, Yusei. Merci mille fois. Ok, est-ce que je vais par ma grotte ou est-ce que je vais par là-bas, chat? Par là-bas, non? Faites voir ma nouvelle épée. Oh là 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 là. Non mais les gars, j'ai eu tellement de chance. Oula, ça en fait du monstre là. Oh là là. Ok. C'était par là, hein? Ah, c'est là-bas. Je reconnais, c'était au bord de la faille. Ah non. Je reconnais pas en fait. Mais attends les gars, c'était pas juste là? On avait fait un repère visuel, je vois rien qui me repère. Peut-être plus par là-bas. Ok, let's go. Il y a encore le poulet dessus. Ok, après on ira farmer des vaches pour la bouffe. Hein. Par contre, on ne voit absolument rien. Genre là, c'est pas des blagues, là. Je vais mettre une lumière là, pour savoir que je viens d'ici. Et on est parti, il nous faut ça, le lapis, absolument. Lapis, fer, et le but ultime, c'est full diamant, là. Attendez, je sais pas pourquoi je sens que ça va être compliqué là. En fait, je suis beaucoup trop haut, il faut que je descende en couche 50 ou je sais pas quoi. Oh putain, c'est le bordel, il y a énormément de mobs. Ok. Ah bah là, ça descend énormément. Je vais regarder, je prends juste la température. Oh, il y a un mineshaft sous la maison. C'est pas possible la chatte que j'ai, non mais les gars. Il faut qu'on regarde notre nether aussi après. Non mais les gars. Il se passe un... C'est trop là. C'est quel niveau de chat ça? Je sais pas.
pas où il va, Manshaft. Il doit être un peu perdu à l'intérieur du truc. C'est pas grave. Je vais descendre. Hein. Les gars, on a pris la position de ma maison. Vraie question. Est-ce qu'on a pris les coordonnées de la maison? Oui. Co-maison. Ah. Je les ai, t'inquiète, ok. Je les remontre au cas où. Moins 1700, 8800. La quantité de monstres. Je vais descendre par tout là-bas. Ou par là. On va looter tranquillement. Je vais pas me fighter, ça sert à rien. En vrai, c'est inutile que je perde mon temps à me fight. Je peux réussir à jouer safe comme ça. Autant en profiter. Et là, est-ce que là, il y aurait quelque chose qui descend assez bas pour du diamant? J'en ai pas l'impression, honnêtement, les mecs. Je vais faire le tour. Ah, ok, premier diamant. Les gars, regardez bien avec combien je vais en avoir. Hop là, c'est le début de la richesse. Hein. Vous savez quoi, je vais me mettre là. Comme ça, on va voir où on va pouvoir garder le fil un peu. C'est combien qu'il m'en faut? C'est 24 pour full diams. C'est déjà fini presque. Hein. Ok. Ok. Ça, on récupère indispensable. Et je vais aller au passage sur le côté tout là-bas. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une ouverture. Je fais juste le tour en speed, les gars. Je remets la musique, attendez. Oh, c'est un peu risqué, je vais descendre dans le trou là. Ok, on a du diamant là. Ok, là-bas, lapis. On est déjà à 22. Hein. Ça va extrêmement vite. Le bonheur de miner un truc avec efficacité. Je me suis pas fait suivre. Ok, je profite des petits passages. Oh, la musique. Ça, c'est du banger qui bang là. C'est là où j'étais il y a une seconde. Je vais passer là-bas et regarder à droite. C'est un petit chemin vers une plus grande truc. Ok, je vais récupérer du fer. Je sais plus si ça fait XP ou pas. Je vais juste bloquer ça parce que c'est gênant. Je récupère un peu de tout. Hein. Il y a déjà 50 subs depuis le début du live en vrai. Ça fait à peine 2 heures, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup les gars. Ça veut dire qu'il y a eu 50 poulets depuis le début du live. Vu comme ça. Ok, je remonte. Je crois que j'ai vu du diamant à côté, je suis pas sûr. Et des chats, exact. Exact, exact. Ok, c'était pas du diamant, c'était du lichen. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, je capte pas. Genre, qu'est-ce qui fait qu'il y a ça qui est généré? C'est random? Ça dit, la prochaine fois, on fait 100 000 bits clear inventory. Bah non. Bah non, pour quelle raison, genre? Non, non, bien sûr que non, ça me dit pas. Merci de la proposition, hein, c'est cool. Voilà, j'ai des modos force de proposition, merci pour ça. Mais non, merci. Merci, non, merci, en fait. Ok, terrifiant ça. Je vais arrêter de farmer le lapis. Hein. Ça va beaucoup trop vite en fait avec mon nouveau truc. Ma nouvelle pioche. 100 000 c'est super cher. Non, c'est pas du tout cher les gars. Il y a plein de gens qui sont multimillionnaires
en bits. Au risque de me répéter, c'est loin d'être super cher 100 000 bits. Là, vous parlez à une communauté où il y a des gens qui me regardent depuis 6 ans. Hein. Ok, on est un peu perdu. Il n'y a pas de grande descente. Attends, je suis en couche combien là? Moins 29. Et je peux aller en moins 50. Ça se fabrique pas les pommes enchantées, je crois. Celui qui m'a dit de prendre de l'or pour les pommes enchantées, je pense que ça n'existe pas. Purée. Purée de pommes de terre. Ok, nice. Putain, j'essaye de bait pour qu'ils explosent, mais ils veulent pas. Hein. Oh, oh, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Gros toll. Comment ça se tue ça? J'oublie un peu trop qu'on peut croiser des mobs qu'on connaît pas en fait. Oh là, ça descend bien par contre. Ok, ça descend bien mais y'a rien. La pioche, je pense possible vu que ça avait l'air d'être un minerai. Si j'en recroise, j'essaierai de le fumer à la pioche. Voilà la quantité de creeper. Ok. Vas-y, je me casse, hein. Je passe par ailleurs, il n'y a pas de diamant parlant en tout cas. Les gars, les diamants, c'est tellement rare, c'est un truc de fou par contre. Depuis cette mise à jour, c'est tellement dur d'avoir du diams. Faut que j'aille en moins 50, mais j'ai un peu la flemme. J'aurais bien aimé en trouver en surface comme ça, vu qu'il m'en manque pas beaucoup. Oh là, attendez. Là, il y a un monde où on en trouve facilement. C'est immense. Ok, là il y en a pas. Je vais pour avant de descendre, je vais là. What the fuck, putain. Ça, ça arrive au mauvais moment, genre tu sautes au-dessus de la lave ou quoi. C'est la catastrophe, hein. Mais genre la vraie, hein. Genre là, dans tout ça, il y a pas un diamant, c'est pas possible. Ah non, il y en a pas. Je prends un peu de hauteur, je regarde à droite à gauche, les gars. Je crois qu'on a eu des torches. 8 torches. Une statue? Stylé en vrai pour la déco par contre. J'aime bien. De fou à ça pour la déco, c'est un peu cool en vrai. Je vais aller tout en bas les gars. Ah, il y en a du diamant, let's go. Peut-être que j'arrive au 24. Après, il me faut aussi pour le stuff. Enfin, pour les items. Donc, peut-être un peu plus de 24, ça ferait pas de mal. Oh putain, ça m'a fait peur. J'ai plus de casque. J'ai plus de masque en fait. Pourquoi ils ont dit côté? Mais si, j'ai un masque. Ok, je suis à 26. Est-ce qu'on continue, chat? Ou est-ce que j'ai de quoi finir mon truc? Oh là. Je continue en vrai tant qu'à être là. Ok. Mec, y'a rien qui va, y'a rien qui va. Ok, je pense que je suis bien. Tu les as tapés. Ah, j'ai tapé en farmant peut-être. Le timing a peut-être pas été top. Attends, du coup, je les tabasse, hein. Si je peux avoir des trucs stylés, j'y vais. Hein. Mais c'est quoi ça? Antique ink. Encre antique. Ok, aucune idée d'à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert. Parfois il y a du bon loot, j'ai l'impression, hein. Attends.
Genre des bombes. Let's go en fait. Je me rends pas compte des dégâts que ça fait ça. Mais hier ça avait l'air vraiment stylé hein. Je vais partir par en haut. Hop 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 attends. Flax Swid. Merci pour le prime, merci mille fois. C'est gentil Abdroul. Ok là c'est bien ouvert, attends, il y a moyen de trouver des trucs facilement ici. S'il y a du diamant, on devrait voir que ça. Ah et le fameux mineshaft du coup il est là chat. On le fouille tant qu'on est là ou pas? Je me dis tant qu'à être là en vrai autant fouiller. Peut-être un peu de loot à choper. J'ai envie de descendre mais je vois pas de diamant. Je pense vraiment qu'il y en a pas. Ok je vais commencer par la droite et on va faire par étapes comme d'hab. Ok ça y a rien, je bloque. Ok. Rien, on bloque. Pour le moment pas incroyable, ça part pas sur les chapeaux de roue là. Allez, on commence par la droite. On va tout au bout. Et merde. Merci Delta pour le prime, merci beaucoup. Mais c'est immense. C'est immense. Ah ben je vais aller random en fait. Je vais pas faire... je vais pas le faire intelligemment. Ça c'était pas mal, on l'a déjà je crois. Ça je pense que c'est de la merde, je vais garder ça à la place. Ça on prend parce que les torches... Attends je vais même les mettre là d'ailleurs. À la place de le truc, ça fait un poil moins de lumière. Je vais fouiller random, c'est trop grand. Ça se voit qu'il est immense le truc. Il a dit quoi Cabu, j'ai pas vu. Oh on a jamais eu. Place un extra level of looting to killed entity. Incroyable. C'est trop broken les gars. Le nombre de trucs qu'il y a, c'est trop grave. Genre ça là, c'est vraiment vraiment trop fort. Ok on prend, on se casse. Je vais sac des trucs, ouais c'est vrai vous avez raison. Attends. Je sac tout et je trierai plus tard. Je trierai sac en arrivant. Parce que sinon on s'en sert plus. Cabu qui fait des fake donations. Non Cab mais t'as quel âge Cabu? Quand même. Ok. Ok je vais monter. Bah y'a rien en fait. Y'a rien, y'a rien. Dans un monde où quelqu'un invoque un wither là, il se passe quoi les gars? Genre ça fait quoi un wither sous terre dans un endroit où il a pas la place de spawn? Genre un endroit qui est pas prévu pour. Il meurt? Ou c'est moi qui meurs? Ah ça c'est pour trade on m'avait dit. Il explose tout, ok. Ok, y'a rien du tout. Alors, on a voulu mettre un speederfish. Hop, les... tiens, prends-toi ça dans la gueule. Je suis plus en défense maintenant. C'est Keblo. La musique est horrible. Je le dis. Ok, un peu la défaite. En vrai, de vrai, les mineshafts, c'est toujours pourri. C'est tellement rare d'avoir un truc stylé. J'ai eu un item cool. Mais bon, dans tout. Enfin, regarde la gueule du mineshaft. En plus, je suis perdu. Bah, c'est là où j'étais. Il y a le shadow de tout à l'heure. Donc, on a dû plus ou moins tout faire. J'ai bien plus ou moins. Là, c'est bloqué. Ok. Là, y'a rien. Et là, y'a rien. Let's go. On peut se casser, les mecs. Faut juste que je me rappelle où est. Où est la piole quoi? Alors ça pour le coup, j'avoue que j'ai pas trop fait attention. On va essayer de fuir.
Retrouver un axe principal, bah voilà, parfait, idéal. Ça c'est idéal. Putain, il y a tellement pas de diamants, par contre je suis choqué. On a vraiment pas eu de chance. Bon après, heureusement qu'on a eu looting, parce que sans ça, c'était la merde, hein. Tèche, ce son de con, c'est vrai qu'il est horrible. Attends, je mute pendant le son de con. C'est infâme et j'ai la flemme de changer d'ordi. On remonte à la surface et on voit. Je pense que c'est le plus simple. On va faire avec 29 diamants déjà. En vrai, on a déjà largement de quoi faire. Je me demande même si on n'a pas tout notre stuff. Vu que j'ai déjà l'épée et la... L'épée et la... Et la pioche. Et la hache en fait. Non bah si, c'est bon. C'est largement bon en fait. Ok, je vois pas de sortie. L'ambiance sonore dans les grottes comme ça, elle est angoissante. Hein. La quantité de fer. Ok, il me faudrait du charbon aussi à un moment pour cuire tous mes trucs et tout. Même si j'en ai pas trop besoin pour l'instant. Vous êtes sûr, on va voir la gueule du Nether? On se spoil ou on le fera à la maison tranquille? Je suis chaud de me spoil perso. Oui, go. Putain, bâtard. Oh, je les éclate. J'ai eu quoi? Les chaussures. Les chaussures avec les griffes. Nos premières chaussures. Gros, gros souvenir. Elle doit être finie la chanson de merde là. Ok, elle est pas finie. elle est pas terminée les gars. Elle est... Ok, je suis en train de tout gâcher. Elle en était exactement au même moment quoi. Oh non, j'ai posé l'eau par réflexe mais il me la faut. Ok. Je l'ai posé là-dedans mon briquet. Il est là. Chat, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier fort. S'il te plaît le jeu. Accueil. C'est quoi ça là-bas? Ah ok, c'est le squelette. Ok, on a un Nether les gars, il est horrible. Il est horrible les gars. On a un horrible Nether, vraiment. Bonsoir tout le monde, Linka, j'espère que tout le monde va bien. Ça va très bien, merci Omblin. Le Nether est ignoble. Je récupère de quoi faire un portail à la maison. On a dit qu'il nous en fallait, autant en profiter. C'est quoi si tu rentres par l'autre côté? Rien du tout. Fin du rêve. En vrai, le Nether, il est horrible, hein. Et après pour remonter, je vais juste construire, je pense. Et là, et c'est cul la salle des coffres. Ouais, c'est pour ça qu'il me fallait beaucoup d'obsidienne. Là, je récupère tout. Je sais pas trop combien j'en prends, mais en vrai, ça va vite avec ma pioche, là.
sécuriser mes coffres, il va m'en falloir un paquet. Hein. Un énorme paquet, je pense. Je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais farmer un... Pas un stack non plus, mais genre vraiment énormément. L'inventaire d'Arnaud, c'est vrai que là, je suis vraiment riche. Hein. On est vraiment bien, on a eu un start de fou, en fait. Musique incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de la lave en dessous? Merde. L'obsidienne brûle dans la lave? Elle est forte la musique par contre. Ouais, c'est un kiff. Oui, ok, ok, je savais pas. Je croyais que ça flottait, je sais pas pourquoi. Je confonds avec la netherite, je crois. On est à 24. Vous pensez... Protéger mes coffres avec de la netherite, pour vous, il m'en faut combien, les gars? Pour que ce soit bien fait. Je pense beaucoup, honnêtement. Genre, honnêtement, une soixantaine, ça me paraît pas déconnant. En fait, il faut entourer un truc. Un bloc de... De 4. Un bloc de 4. C'est ça qu'il faut que j'entoure. Minimum 2 stacks. Attends, mais c'est... C'est faisable de compter. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, on va dire. 28 protège un coffre. Safe avec un seul accès au coffre. Je sais même pas si ça suffira. Et il y a le portail à faire aussi. Je vais farmer, les gars. Tant pis si c'est chiant, je farme. Salle des coffres va beaucoup s'agrandir. En fait, je pense que je vais faire une salle des coffres avec un seul coffre et des backpacks. Et je vais faire des backpacks pour... un backpack par truc. Et je me servirai dans mes backpacks, c'est un peu chiant, mais je pense que c'est le meilleur moyen. Ton gant Ace, tu farmeras plus vite. Je l'ai pas pris, j'y ai pensé tout à l'heure, mais je l'ai pas. Je l'ai pas, hein. Attends, je vais regarder au cas où là-dedans, mais je pense que je l'ai... Il me semble que je l'ai pas. Vas-y, Kabu, vas-y, va sauver. Merci, Kaka, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil, poulet. Merci mille fois. Merci pour votre soutien, chat, vraiment. Je pense que je fais un stack et on voit, honnêtement. Oh, ça serait pas stylé qu'une des portes de ma tour... Qu'une des portes de ma tour, les gars, ça soit une porte qui donne sur le Nether. Ça pourrait être cool, je pense. Si, ok, je vais faire ça. J'enchaîne. Vas-y, j'arrête là et on refera s'il y en a besoin. J'arrête là et je reviendrai au pire. Go mettre des backpacks dans un under chest. En vrai, c'est pas trop utile parce que le backpack en lui-même agit déjà comme un under chest. Donc putain, pour retrouver l'accès à la maison là-dedans, les gars, je pense que je vais monter. Creuser random. Et
Et après on cherchera la maison hein. Ou alors je fonce, attendez. Et je regarde à la base si je vois un truc ouvert. Est-ce que c'est pas là vers chez nous? Ah mais non, c'est là où j'étais il y a deux secondes ça. Et ouais. Donc ma maison ça doit être de l'autre côté de ça vu que là il y a un mineshaft. Je vais essayer de monter là-haut. Bah c'est là où on était en fait il y a une seconde littéralement. 6 minutes de vie, fais pas de bêtises. Je ferai pas de bêtises les gars, je ne mourrai pas. Je donne toujours raison aux croiveurs. Et c'est pour ça qu'ils continuent de croire en moi. Toujours. Pas vrai la team? Pas vrai la team, est-ce que je vous ai déjà déçu? Est-ce que je vous ai déjà déçu la team? Dites la vérité. Normalement que des noms dans le chat. Oui, oui. Top. Top, top, top. Oui, ok, ok, j'ai compris les mecs, j'ai compris. Énormément, mais calmez-vous quand même. Il y a un cœur qui bat, hein, sous cette apparence monstrueuse et musclée. Il y a un cœur qui bat quand même. Donc doucement, régulièrement, les gars, doucement. Mais trop facile en fait. Ok, où suis-je? Il y a des palmiers et tout, je suis où, merde? C'est quoi l'écho de ma baraque? Je suis au Bahamas, c'est réel là. Ok, c'est bon, je sais où je suis. Là, il y a notre village, donc chez nous, c'est là-bas. Ok, je ramasse encore et toujours des lumières. Des lumières gratuites, c'est tellement chiant à craft. On en profite. Oh, il y a encore des crabes de cocotier. Ah non, j'allais les tuer, mais j'ai plus le droit. Bon, je les tue pas. Allez, on trace. Il y a un monstre là-bas, il y a un truc. Ah non, c'est un zombie. C'est juste un petit zombie. Ok, on va dormir. On fait notre stuff, on enchante tout ça. Et là, on a déjà un très 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 bon début. Début de notre magnifique maison. Même si pour le moment, on peine à croire qu'elle est magnifique. Elle est magnifique. On va mettre des torches près de la maison pour pas cramer. Enfin, pour pas... Il me faut absolument du... Parce que j'en ai que 13 en fait, c'est de la merde là. Il me faut absolument du charbon. Ok. Genre là j'aurais bien fait ici. Tout un tour en obsi. Et après on la cache l'obsi avec de la pierre qui dépasse ou quoi. Alors attendez. Déjà priorité au stuff. Ça c'est mon truc numéro 1. C'est quoi cette merde? Wesh, oh là là. Non, il y a eu combien de subs? 51 subs. Merci Gold, c'est au secours. Ma maison. La lumière, pitié. C'est quoi le truc qui a été invoqué là, les gars? C'est quoi le truc qui a été invoqué? Les gars, c'est quoi le truc? Il y a un truc violet énorme qui est apparu, je l'ai vu hein, de mes yeux.
Mais mec, c'est un genre de digor colossal. Va le voir. J'ai une théorie selon laquelle il ne peut pas escalader le boss qui vient d'être invoqué. Attendez, attendez. Oh sa mère la pute. Merci Gold, merci beaucoup. Mais ne refais plus jamais ça. Attends. On va se faire mettre full ça pour les résistances déjà. Oh, putain. Je vais essayer de monter en lurk et d'enchanter mon stuff. Mais mec, il va vivre en bas de chez moi. Comment je fais là, les gars? Ok, visiblement, il peut pas escalader. Ma théorie est bonne. Mais les gars, je fais comment là? Ah, mon poulot, t'inquiète. Je le savais, hein, j'ai même pas eu peur. J'ai même pas eu peur, les bouffons. Ok. Attendez, je vais devoir aller battre cette merde là. Attendez. Attendez. Chat? Chat? Pas possible, Duncraft, non. Je vais me foutre en l'air. J'ai plus de lapis. Je vais me foutre en l'air. Je peux pas enchanter mon stuff, il y a un boss énorme en bas de la maison. Putain, magnifique ça. Alpania. Pas combi, pas combi, pas combi, pas combi, pas combi, pas combi, Alpania. Pas combi, pas combi, pas combi, pas combi, pas combi, Alpania. La musique, elle me rend fou. Les gars, je fais comment? Putain. Il me faut un arc. Alpania. J'ai envie de me prendre une tarte pour voir est-ce que ça one shot. Ça one shot ça ou pas? Les gars, je vais lui montrer qui est qui. Je vais lui montrer qui est qui. Oh mon dieu. Comment je fais combien de vie là? Wesh la droite. Ok ok. C'est méga stylé par contre. Je le rends fou, je joue avec ses couilles là. Non, non, vous êtes des chiens de la casse. Non, vous êtes des fils de pute, sérieux, putain. C'était quoi ça? Ouais, non. Non, mais putain, les gars. Oh, il coule. Attendez, il peut attaquer dans l'eau ou pas? Il coule. Mais attends, mais il se passe quoi, mec? Mais attends, mais il y a des squelettes qui courent sous l'eau. Mais attends, les gars, stop, il y a un problème là. Les gars, je peux pas le taper. Je peux pas le taper, il est foutu pour toujours.
Mais c'est quoi ce bordel? Tiens, voilà, 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 dis-lui le golem. Il a récup ses cœurs, non, Vogel. Non, c'est pas vrai. Mais comment je fais, là? Dans ton inventaire, tu dois retirer toutes tes vies supplémentaires. Qui a fait ça? Olivia. Mais Olivia, on va t'attraper, toi. Merci, Mathis, pour le prime. Ah, putain de merde. Mais attends, il peut me tabasser? Mais comment je fais, là? Est-ce qu'il peut taper au-dessus de lui? Oh là là, mais putain, mais allez vous faire foutre! C'est pas possible! Là, il est tout débile, hein. Oh, ma Z, il peut attaquer, moi, je peux rien faire. C'est quoi, ça? C'est un cousin Peter, merde. Mais les gars, je fais comment? Je vais lui montrer qui est qui, en fait. Bah non, bouffon, voilà. Dégage! Palais de swap! When right click, you can summon Void Rune! Quoi? Ça fait quoi? 4 vies dans son inventaire! Oh! Quelqu'un m'a donné 4 vies? Quelqu'un m'a donné 4 vies? Ou c'est mes vies que j'ai enlevées qui arrivent ici et faut que je les jette à la poubelle? Ok, c'est ce que je pensais. Je les garde en mode collector, comme ça on saura combien de vies j'ai eu dans la vie, mais je les utilise pas, promis. J'ai envie de tester, mais j'ai peur que ça soit une dinguerie. Attendez, je vais loin au cas où. Oh, j'ai équipé un coussin péteur, je crois. Ouais, j'ai équipé un coussin péteur, et du coup, quand je saute, increase the wearer's flatulence, et du coup, ça pète quand je saute. Ok. Non, ta gueule, c'est une arme? C'est une arme? Un monstre. Un monstre, un monstre. Mais putain. J'arrive pas à utiliser. Mais les gars, attendez, mais c'est génial, non? Les proutes plus les sauts, y'a rien qui va. Rien ne va, c'est trop stylé, ouais, c'est vraiment stylé. Ok, je vais rechercher du lapis du coup, parce que j'ai gâché tout mon lapis. Mais dis, c'était bizarre que je les fasse en 4. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Merci God Rainbow, merci beaucoup pour les subs offerts poulet, c'est adorable vraiment. Merci mille fois. Mais je retiens. Ok, il me faut du lapis. Oh là là, ma vie, attendez, ça sent le roussi là. Ok, je peux pas manger. ça me saoule. Il chie partout. C'est très réel, mon perso, il chie partout là.
Ok, est-ce que ça suffit? Oh mais mec, la vitesse! Il pue ton live, c'est réel. Mais ça s'use pas en plus, c'est broken. Par contre, y a un cooldown. Les gars, c'est broken sa mère. Et y a encore une autre donation avec un autre boss que j'ai jamais vu là. Oh, j'adore. Merci Gold, merci beaucoup pour les 750 bits, c'est gentil. Merci mon poulet. C'est pas ultra cheat, mais très stylé, ouais, c'est pas ultra cheat. Mais c'est vraiment, vraiment agréable, quoi. Enfin, c'est trop beau, genre. C'est trop satisfaisant. Allez, on va enchanter tout notre stuff, les gars. Bah, quoi, j'ai fait quoi? Tu peux faire un auto-feed sur ton backpack si jamais. Un auto-feed? Genre en mode ça utilise la nourriture tout seul? Ça fait quelque chose, 700 bits, je sais pas. Oui. What? Attends, attends. Genre, je mets mon pain. Là? Non. Non. Non, non, non. Mais mon Dieu. Attendez. Mais c'est quoi cette sorcellerie? Oh mon Dieu. C'est incroyable. Oh mais vive les mods. Mais putain, j'étais aveugle pendant toute ma vie. J'étais dans le... J'étais à côté de la... Du vrai bonheur. Oh non, je vais me faire savate pendant la nuit. Non. J'ai plus de lit. J'ai plus de lit, les gars. J'ai pas de laine non plus. Faut que j'aille voler un lit là-bas. Je vais au village, je prends un lit. Et je reviens. Parce que si je meurs et que je perds tout, je serai anéanti vraiment. Go sans sub. Non. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Je vous jure, premier degré, je vous promets, sans sub, je serais même pas content. Je vous jure, premier degré, je serais même pas content d'avoir les 100 subs. Un lit, pitié. Un lit, putain! Ok. Les gars, je vous jure, j'étais en stress. Linka Twitter. Y'a quoi sur Twitter? J'ai pas Twitter sur mon téléphone, je suis con, je l'ai enlevé. Copie ça dans ton chat pour les 700, pour les 700 bits. 750 bits. Ok. Alors attendez, hop. Et c'est quoi en fait le truc? Je synchronise les lumières de fond, je l'ai pas fait. Mais vos gueules, ça reste combien de temps? Ça reste combien de temps?
Oh, sa mère. Les gars, ça reste combien de temps? Je vais gerber. Attends, ça me fout la gerbe. 1 minute. Les gars, ça me fout la gerbe. Là, plus jamais ça. On l'enlève, on l'enlève. Ça plus un boss, c'est free kill. C'est horrible. Je vais gerber premier degré, ça me fout la gerbe en vrai, genre. La vraie gerbe. On l'enlève, ce truc. Je jure, je le fais plus jamais. Oh, putain. Quelle horreur. Derrière, on l'enlève. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Oh, j'ai l'impression que je l'ai encore. Ça m'a fait bugger les yeux et tout. Ok, on a un nouveau spawn. On a nos petites affaires. Alors. Je vais prendre ça. Je vais poser ça. Je vais poser 3 slots. Et on est parti pour enchanter nos 3 stuff. P3, on prend. P4, on prend. Mais oui, en fait! Mais bien sûr! Lui, on n'en veut pas. Non, là, les boots, c'est vraiment grave. Hein. Ok. 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 Allez, s'il te plaît, des bonnes boots. P4. Putain, on n'a pas eu de chance sur les chaussures, mais c'est pas grave. On va faire avec. Et ça, efficacité 3. On prend. Alors, hop, 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 hop. Ça, on va dire que c'est de la déco, on s'en fout. Il me faut 3 mending. Peut-être même 4. Ah non, 3, c'est bon. Alors, ça, on prend. On met le casque. Incroyable, ça, ce qu'on a eu par contre. Ah merde, j'ai pas fait ça du coup. Oh! C'est épine, ça, on est d'accord? Ok, elle est pas dégueulasse. C'est dommage qu'elle ait eu Fire Protection, mais je pense que je vais la jouer quand même. Je pense que je vais la jouer avec Fire Protection en vrai. Nul Fire Protect, ben, si j'ai protection 4 sur tous les autres trucs, en vrai je crois que je peux jouer, je crois que je peux être full armure en jouant Fire Protection. Il me semble, au pire on en refera un, c'est pas grave. Ok. Ça P4 c'est pas terrible. Enfin c'est bien, mais on aurait aimé avoir plus en gros. Ok, et ça, je pense que je lui mets pas de mending. Ok, il me reste 4 mending, donc il y aura de quoi faire si jamais on veut. Ça, je vais garder, et ça, je mets ici. Pas besoin de Fire Protection quand t'es en Netherite. Eh ben, écoute, quand je serai en Netherite, on s'adaptera. Pour le moment, on n'a rien d'autre, donc go, hein. Non, non. Non, vos gueules. Mais je fais comment? Attendez, attendez. On a un gros problème là. Attendez, 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 je fais comment? Dégomme-le avec un arc. Mais j'ai pas d'arc, les mecs. Il est chez moi, c'est chez lui maintenant. Bah c'est chez lui hein. Non, non. Bande de chiens de la casse. Non, vous êtes des enfoirés de merde là. Non. J'ai cru que c'était le boss qui m'attaquait.
gars, c'est chez lui, premier degré. Je fais comment là? Il me faut des blocs pour me mettre en sécurité, j'en ai pas. Regardez les poulets et tout, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Oh là, si tu les poulets par contre, je vais pas le laisser passer. Ah ouais, il aime pas le bruit des poulets. Là par contre, comment on fait une capture d'écran déjà? F3. C'est le moment d'en faire une, hein. F2. Il a tabassé un poulet, les mecs. Il tue les abonnés. C'est lunaire, la scène. Merci pour les 52 subs. Oh. Il fait quoi? Attendez, il y a un monde où il peut pas sortir. On est d'accord, ça marche, mais ça ne se téléporte pas. What the fuck, tous mes poulets? Est-ce qu'il passe les portes? Je pense qu'il passe pas les portes, les gars. Il passe les portes, il passe les portes, il passe les portes! Ou pas là? J'arrive pas à voir s'il est sorti, les gars. J'ai tellement peur. Attendez, attendez, il a l'air déterminé. Putain! Les gars, je vais crever, je pense. C'est la fin. Oh là là, il a un ultra laser. Oh là là, mon dieu, attendez. Comment je vais faire? J'ai pas d'arc, je suis obligé de le jouer avec ça. Faut que je remonte mes cœurs. Il faut qu'il remonte en fait. Qu'est-ce qu'il me tape? Il y a un silverfish. Un arc. Priez pour un bon enchantement, les gars. Priez fort. Il me faut infinité en fait. Je peux l'avoir sur les trucs comme ça, infinité ou pas? Je crois que oui. Je le tente. Je peux dormir sans qu'il me fume la gueule. Heureusement que t'as les niveaux AB de ouf, ça a complètement clutch hein, les niveaux. Ok, il faut que je réfléchisse là. Est-ce que je tente des livres?
breaking. Est-ce qu'une breaking, je peux avoir 3? Mais mec, comment je vais faire pour le tuer? J'ai jamais réussi à battre ce boss de ma vie. Unbreaking 4, on peut avoir ou pas pour l'arc? Je pense que non. Non, ok, merci. P3, ça sert toujours, je la prends. Putain. Oh, Fire Aspect, c'est pour l'épée, ça? Je crois que oui, ça se trouve, j'ai fait de la merde. Ok. J'ai juste peur qu'ils puissent monter, les mecs. Je vous dis la vérité, je me chie qu'ils puissent monter là. L'heure. C'est quoi l'heure? C'est quoi l'heure, chat? Pêche. Osef. Efficacité 4, j'aurais peut-être dû prendre. Oh là là, je suis maudit, les gars. C'est la malédiction là, la vraie. Je trierai plus tard. J'espère juste qu'il va pas monter les escaliers, les gars. Efficacité 4, je prends. Voilà, mon dieu. Surtout, faut pas qu'il me fasse tomber. Ok, l'autre. Non, vous êtes des chiens. Attends, eux ils font du bruit et ça va énerver l'autre, hein. Y'a rien qui va, les mecs. Ok. Protection 3. Attends, je vais ranger des trucs, je m'y retrouve pas là. Ok. Ok. Ok et ok. Flamme, c'est pas bon. P3, on prend. Les gars, ça veut pas me donner infinité. Ok, ok, ok. Mes flèches, c'est bon. Mon arc, on s'en fout. Le lapis, c'est rangé. Je mange. Et là, je pense que je vais pouvoir le fumer d'en haut, les gars. Faut juste que je le vois. Il est tout là-bas. Est-ce que je vais voir sa vie si je lui mets une flèche? Je vois pas sa vie, ça l'affiche pas. Ça fout bien la merde, ça, putain. Merci à l'anonyme pour les dons, en tout cas c'est vraiment très gentil. Mais ça fout bien la merde. Merci Zénon pour le sub. J'aimerais bien essayer de voir sa vie. Je pense qu'il peut me fumer d'ici, faut quand même que je fasse attention. Mais c'est à combien de vie? Les petits proutes de temps en temps et tout. Les gars, regardez le plan comme il est lunaire. 500 PV, c'était écrit tout à l'heure. Ah oui, mais j'en ai pour 2 ans en fait. L'avantage, c'est qu'il est bloqué dans l'eau, du coup, il fait rien du tout. Ça, ça met vraiment bien. Par contre, regardez le plan, c'est trop beau. Bah alors, bouffon, on est bloqué, tu m'as fait une sacrée frayeur, hein. En vrai de vrai, le pire de tout, c'est le Wither, les gars. Hop là, easy. Il doit
donne pas de loot? Ah si. Ça fait quoi ce catalyst? Non, non. Eh ben si, hop là, les deux. Tu le tues pour la première fois, GG, merci beaucoup. Bah là, c'était... Il était tout bloqué. Rien nul. Ok, bon, on va dire que c'est pour le style. On va dire que c'est pour le style. Warden, beaucoup plus chaud que Wither. Mais en fait, Warden, vu qu'il est pas dans son élément naturel, tu peux jouer avec le truc et tout. Wither, il te suit partout et il explose tout. Genre, vraiment, il n'y a pas pire que le Wither pour moi. C'est, je le mets en top 1, le Wither. En termes d'horreur dans le jeu. Ok, j'ai un stuff de fou. On va essayer de faire la porte en netherite, comme j'avais dit. Ok, alors attends. Ok, donc là, si je fais ça... Et ça... Ça me fait un portail en netherite. Genre, ça fonctionne. Peut-être qu'il va falloir que ça soit connecté et du coup que je mette des blocs là et là. Ça fonctionne. Incroyable. Donc là, j'ai l'accès au nether depuis ma maison. Trop stylé. C'est tellement stylé, ça. Ok, il y a l'autre portail là-bas. Ok, ça c'est vraiment stylé. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il me faut du bois. Oh non. Il me faut de la pierre, pardon, pour le cacher. Ça fait du bruit? Non, il fait pas de bruit. J'aurais bien aimé en faire un plat pour voir comment ça marche, c'est la maison définitive. Bah après on va la décorer et tout ça. Mais dans l'idée, ouais. C'est pas très beau là. Peut-être que je pourrais faire deux cercles comme les comme des, comment ça s'appelle, comme des, je vais le péter, on va réfléchir. C'est pas assez beau, ça me va pas. Je trouve un moyen de faire un truc vraiment stylé. Et ça fait quoi si je le fais allonger, le portail? Attends, je teste après. Il me faut le truc pour farmer. Je sais plus comment s'appeler. Les gars, c'était lequel le truc pour farmer plus vite? Ça, j'aurais dû essayer, purée. Il y avait un truc qui donnait de l'ace, mais alors quoi? Fais un portail en forme de tub. On voit une bonne idée. C'est ça, je crois. Ah non. Main jaune. Non, ça, c'est les dégâts, ça. C'est les dégâts, la main jaune. J'ai dû le foutre dans un sac à dos, en effet. Pas dans celui-là. Putain, les 100 poules, ça met dans le mal, hein. C'était ça. Ah non. Est-ce qu'on l'a perdu, les gars? Ou je l'ai jeté, ou j'en sais rien? Ok, je sais pas, on a dû en faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Tant pis. Tant pis, j'enlève tout. Ça va être trop long, sa mère. Vas-y, j'ai enlevé une première couche. J'enlèverai un peu plus tard. J'ai trop la flemme, ça m'a gavé là. Ok.
Ok, ah mais non merde, celui-là je pourrais pas le récupérer après. Chapeau de paille, non c'est pour les trades, les gars, dites pas au hasard des trucs, ça sert à rien genre. C'est inutile. Bon j'enlève, j'y suis presque. C'était pas un masque pour est... Ah c'est possible. C'est possible, ça me dit un truc, je crois que c'est un masque. Je pense que t'as raison. Ok, chat, on va tester de faire un portail. Alors c'est ça moi la question que je me posais, c'est est-ce que tu peux faire... Comment ça se passe surtout? Alors comment ça marche? Comment je reviens après? Genre là si je pars là-dedans, comment je reviens? Comment on sort après? Ok, donc ça c'est pas du tout pratique. Ça c'est vraiment à éviter parce que c'est stylé, mais c'est trop dangereux. Ou alors il faut faire assez grand, ouais, pour faire des escaliers qui descendent dans le nether en gros. En vrai ça aurait un petit flow hein. Ramasse mes... Putain, le seul problème de ça, c'est qu'il faut les ramasser après, quoi. Ramasser les trucs, c'est un enfer. Je te regarde depuis l'Angleterre, donc parle anglais pour m'entraîner, s'il te plaît. No problem, Lucas. I can speak English if you want, but I am not sure that my viewers will understand the stream, you know. So, I can't adapt my stream for only one viewer. Donc, en gros, je vais parler français, en gros. Ça marche? Sinon je me disais je crée des fenêtres. Oh merde. Sinon je crée des fenêtres, tu sais, sur la façade, genre ronde, et qui donne sur le nether. Ça pouvait être pas mal aussi. Et tu sais, je monte là et hop, je fais un petit saut et je suis dans le nether. C'est pas dégueulasse comme idée. Attendez, on va réfléchir. Il y a trop de possibilités en fait avec ce mode. Il peut aussi avoir un truc. Dès que je m'accroupis, ça fait un prout aussi. Ah ouais. Chaque action prout. Ah non. Bah je sais pas. Attendez, je réfléchis. Déjà, est-ce qu'on continuerait pas la maison maintenant qu'on a le stuff en vrai, chat? On pourrait, là. On pourrait de ouf. Moi, là, je vais faire... Il me faut beaucoup de pierres, genre énormément de pierres. Oh, merci beaucoup, Baptiste, c'est grave gentil. 1000, 2000, 3000 bits, ça fait quoi, ça? J'ai eu 100 levels d'XP. Je suis niveau 129. Toi, t'es un roi, toi. Merci, mon BG. Merci beaucoup. Quel bonheur. Non, mais ça, c'est exceptionnel, par contre. Hein. Des viewers comme ça, on en veut tous les jours. Hein. Qu'est-ce que c'est Fumax? Et là, il perd ce level. Non, non, je vais pas les perdre, je vais pas les perdre. Là, en vrai, je suis stuff. Hein. Franchement, les gars, mon perso, il fait peur. Hein. Mon perso, il fait vraiment, vraiment peur. Non, les trucs des 100 levels, en vrai, vous avez abusé. Hein. C'est trop, trop broken. Ok, ça va. Après, ça me va, hein, on s'évite la partie chiante du jeu. Je dis pas non. Hein. Mais peut-être que c'est un truc qui, que dans le futur, on pourrait remplacer, je pense.
Genre, peut-être que ça serait plus drôle que ça mette mes niveaux à zéro, tu vois. Même si ça me fait chier, en vrai de vrai, ça serait beaucoup plus drôle dans l'autre sens, je pense. Et on enlève l'autre truc. On note, ouais, ok, ça marche. Là, par contre, on mine à une vitesse, les gars. Il faut... Putain, dès que je m'accroupis, ça lâche une caisse, ça me saoule. Il faut que je trouve un truc pour XP ma pioche, pour qu'elle remonte. Merci beaucoup, en tout cas, pour les 3000 bits, c'est adorable. Merci mille fois, Bati. Vous me régalez, chat. Ça va et toi, Cécile? Non mais putain, c'est la meilleure blague du monde, les proutes. Rien n'est plus drôle sur la planète. Hein. Ok, on a deux stacks. C'est déjà pas mal en vrai. Je vais faire avec ça. Ah, bâtard. Ok, catastrophe. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Mon inventaire, c'est trop la merde. Il faut vraiment que je m'en occupe. Ça, je le pose où je veux. Ça, ça montre que j'ai cassé la gueule d'un big méchant. Je vais le mettre à un endroit visible. Je veux qu'on le voit que j'ai fait ça. Et merde. Faut que je mette les escaliers qui vont jusqu'au bord. Je pense que c'est le bon call. Mais non, mais ça, en fait, ça se ramasse partout, ça. 2, 3 000 bits, enlève tous les levels. Ouais, je pense, Focus, pardon, que c'est plus drôle. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant il me faut ça. Pour que je teste un peu des designs. Ça. Ok, mes livres, on va les poser ici. Ok. Et ok, putain, j'ai déjà plus de pierre. Ok, j'ai envie de trouver un moyen de rendre la tour plus esthétique. Pour moi, il faut qu'elle ait des rebords et comment ? Qu'elle ait un petit peu des reliefs. Mais alors, comment je vais faire ? Je fais des tests, les gars. Là, pour le moment, rien n'est définitif. C'est juste pour voir un peu comment les trucs réagissent. Pas mal en vrai ça déjà, ça crée un beau relief. Je vais rajouter un d'épaisseur je pense. Alors attendez, stone cutter, non pour le moment on fait tout en stone, normal, on s'en fout, on s'embête pas. Et tu parles du truc pour donner des formes différentes, ok. Mais en gros on changera après les matières de la tour plus tard, je mettrai des pierres moussues, des trucs. Là on cherche juste à avoir le design général on va dire de l'endroit tu vois. Et une fois qu'on aura ça, je vais me faire un truc à bordel les gars, tant pis hein. Tant pis, je me fais un truc à bordel et on rangera plus tard parce que c'est trop chiant là. L'inventaire c'est trop compliqué. Ok, et ok. Je vais refarmer encore. Voilà, on va faire ça. C'est une bonne idée, je pense. On va se mettre full pierre. Je vais fermer ici, tant pis. Hein. Je vais pas plus loin, ça sert à rien. Faut juste que je prenne, enfin que je fasse très attention à ma pioche. Bonjour, notre sauveur Léopold. Vraiment pas. Pourquoi tout le monde dit notre sauveur? C'est le mot est très mal choisi. C'est tout l'inverse. Merci Nani pour le prime. Merci mille fois. Déjà 4 mois pour fêter ça. Je vais faire spawn un truc. Merci beaucoup. Mais en vrai là j'ai vu avec les monstres qui sont invoqués du coup, selon le timing, tu peux très bien te mettre à un endroit où il y a des particules qui apparaissent à l'écran, je sais pas ce que c'est. Tu peux te faire spawn à des endroits des monstres qui sont genre en mode c'est la fin de l'aventure hein. C'est possible pour de vrai hein. Des trucs où tu sais que tu peux pas survivre. Selon les timings ça peut être vraiment catastrophe. Bonjour Léopold quand même.
Y'a Léo mais pas Angel, c'est vrai putain y'a pas Angel. Il me manque. Oh pardon le chat. Navré pour le chat là. Ok il va survivre les gars. Voilà, hop, j'ai sauvé la vie. Il doit plus avoir beaucoup de vie je pense. Oh bah un cœur, on a eu le bon timing. Survive for the cat. On a encore eu de la chance. Je pense que je suis pas mal là. Honnêtement. Dans un premier temps, ça devrait suffire. Je vais avoir tellement de poulets vaches, les gars, à la fin de l'aventure. Regardez, il y a les 100 poulets invoqués, ça a foutu un merdier. Alors, du coup, là, j'aurai, moi, épaissi l'entrée. Pour tout décaler de 1, voire de 2, de tous les côtés. Pour que ça fasse un peu plus porte, vous voyez ce que je veux dire? Genre de 2 partout, et après, je lui donne de la consistance. Après je te mettrai des trucs qui sont jolis évidemment. Là, pour le moment on est obligé de faire du dégueulasse. Ok je fais pareil de tous les côtés. Ça va très très vite. Ok, ça c'est bon. Après, il nous faut des escaliers. Là, on est obligé parce que sinon, c'est trop moche. Genre, on peut pas faire autrement. Les escaliers, là, ils sont obligatoires. Limite, on pourrait mettre comme ça. Faire un petit design sympa. Peut-être même pareil ici, je pense. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Ok, et après, comment rendre ça harmonieux? Je fais des tests, hein. Ok, ça, je suis pas sûr. On fait des tentats, les gars. Ça, je suis pas sûr du tout. Escalier à l'envers, je suis pas sûr non plus. Dalle pour le haut, genre ici? Ça va faire bizarre, je pense, si je fais dalle. Arnaud, je pourrais baisser, couper ton son des poulages, poules, vaches. Ben, j'avoue que ça rend fou, hein, mais... C'est pas moi qui ai décidé ça. Je suis obligé les gars. Il tue les subs, ben j'ai pas le choix. Sinon ouais, je fais avec le son, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Je fais des tests. Hein. Ça, j'aime assez. Honnêtement, j'aime assez. Je trouve que c'est imposant. Après, si je fais des effets de relief aussi sur toute la structure et tout, ça un peut être pas poisson, mal. C'est mieux. Merci Ultra, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Fougaro. J'aime assez bien le style. Et je me dis, tu vois, regarde, attends. J'ai jeté, je crois. Putain, fais chier. Je me dis si je fais un truc comme ça. Si je fais un truc comme ça. Merci Bubule, bienvenue, merci beaucoup pour le Prime aussi Dark, c'est gentil. Ok non, pas beau. Pas beau, on mettra juste de la pierre moussue, je pense que ça fera un très très bon style.
Les gars, vous en dites quoi, ça, comme truc? Salut tout le monde. Cœur. C'est pas mal, non? Franchement. J'aime assez bien, moi. Ok, et ok. Du coup, comment j'ai fait? Déjà, poutre. Escalier. Putain, ça m'a fait bien à chaque fois, les petits trucs. Poutre, escalier. Il y a une poule par poutre. Ok. Après, on a... Escalier. Escalier, après... Escalier d'angle des deux côtés, je crois. Oh la merde. Attends, non, si, c'était bon, en fait. Je crois que c'est ça. Et la petite lanterne ici. Ok, c'est ça. Peut-être qu'une dalle devant ou un truc en haut, ça pourrait être pas mal. Pas impossible. Pour que ce soit légèrement avancé. Hein? Ah putain, je l'avais pas vu. Je vais essayer de faire une dalle en pierre. Bande de bâtards. C'est horrible le coffre comme ça. En vrai, cet ennemi est affreux. Je vais aller dormir. Ok, je suis obligé de monter par là. Il manque des poutres. J'ai pas fait encore les parties en bois. Donc on verra par la suite. Oh là là, tout est terrifiant genre. FF. Il faut que j'agrandisse les escaliers pour plus tomber. Vraiment, c'est indispensable. Ok, on dort. Je remets la musique vu que le truc est fini. Tu dois faire des jumps plutôt que des escaliers. Non, parce que je sais pas si je vais garder cet enchantement ou si je serai amené à changer. Allez, on va dire que ça suffit. Je veux juste voir ce que ça donne si je fais ça. C'est mieux en vrai, je pense. C'est plus stylé, non? Et après, il me faut des escaliers à l'intérieur. Ah non, une poutre. Attends, elle, c'est le test, donc on va faire comme ça plutôt. Ok, j'aime bien. Ok, ça, il y en a du coup une par côté. Oh, je peux enlever celui du milieu comme ça. Ça crée du volume, c'est un peu plus sympa. Oh. Hein? Ok, je vais finir les trucs avant de faire ça. Peut-être à cause de ça, je pense. Eh oui, parce que c'est le bas de l'escalier, en fait, qu'on voit de base. Quand tu t'y attends le moins, c'est toujours le moment où c'est le plus marrant. Ok. Ça c'est good. Et là, pareil. Et j'ai pas assez d'escalier, faut aller en refaire. Faut que je surveille l'heure, les gars. Aujourd'hui, je dois couper à 19h. Ok, j'ai tout pile les escaliers. Ok. Ça, je pense. Ok. Après, on met le petit truc avec la lumière. Je la récupère et j'en mets une là. Et on fait pareil là-bas. En vrai, chat, honnêtement, déjà, ça donne beaucoup plus de gueule au truc. Après, il faudra que je trouve un moyen de les raccorder de façon stylée. Peut-être que j'enlèverai ça ou que je créerai des trucs en pierre là, je sais pas trop. Parce qu'il faut, épaissir la base, quoi. Sinon c'est dégueulasse. En vrai, je vais faire comme ça. Et une fois qu'on aura mis de la pierre moussue et tout, ça va rendre très bien. Pas mal.
Ok, c'est pas dégueulasse en vrai. Peut-être un poil plus haut ça. Ça c'est pas dégueulasse, honnêtement j'aime assez bien. Ça crée du volume quoi. Je fais le tour et on voit. Au pire si c'est chum on enlève, ça prend 2 secondes, c'est pas très grave quoi. Mais honnêtement moi je trouve que c'est un bon moyen de donner du volume. Et il faut imaginer qu'après on mettra des pierres moussues et tout le merdier. Ça va faire vraiment la différence hein. Ça fera beaucoup, ça fera vraiment temple ancien tu vois. Ça marche bien hein. Honnêtement les gars ça marche même très très bien je trouve. Faudrait pouvoir étendre le côté. Là je vais faire un truc, ça va être horrible. Ouais c'est chum, c'est dommage que ce soit chum parce que putain j'aurais kiffé pouvoir avoir des lumières. Ah bah c'est même pas au bon niveau de toute façon. Hop, donc ça dégage. Ok ok ok. Ça fait vraiment big entrée de temple de fou hein. Après faut que je prépare des fenêtres. Pour qu'elles soient à la bonne hauteur je dirais là. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 1, 2, donc je casse ça. Et ça. Et ça, pareil, je mets des rebords. Je fais des fenêtres de quelle forme, les gars? En croix comme ça, c'est un peu trop fin, peut-être. Ou alors je casse ça. Attendez, on va voir de l'extérieur ce que ça donne. Ça c'est peut-être un peu trop grand. En vrai c'était peut-être pas si mal la première. Vous préférez comme ça ou comme c'était juste avant chat? Avant, attends, je reteste pour qu'on ait une idée. Je crois que je préfère comme ça en vrai. Un T à l'envers. Ouais, ça va faire temple un peu, t'es, j'aime bien. Rajoute des escaliers. Ouais, je vais mettre des trucs autour après pour donner du volume. Là, ce qu'on cherche, c'est juste la forme des fenêtres. En vrai, ça, moi, je trouve ça pas mal. Honnêtement, j'aime assez bien. Du coup, tac, tac, 1, 2, 1. Un, deux. Ok. Ok et ok. Et là, du coup, il faut que je fasse... que je mette des escaliers autour ou du... Alors, des blocs pour faire du volume. Donc, on va chercher un truc stylé à faire. Peut-être... Que je peux mettre des escaliers sur le bord à l'envers. Non, ça va faire bizarre, il faudrait que ce soit à l'envers mais dans l'autre sens. Putain les proutes les gars. Ça va être très dur à poser ça hein. Ok ça sera pas mal et avec en dessous ça. Ah mais non ça va être au milieu du coup. Et je regarde juste que l'aspect que ça a. J'enlève le coussin péteur. Oh mais en plus attendez, ça remplace mon collier. J'avais quoi en collier avant? Les gars, j'avais quoi en collier? Parce que ça se trouve j'ai enlevé un item de fou pour mettre un coussin péteur à la place, je suis trop con. Attendez. Je sais pas où j'ai mis mes colliers. J'avais quoi avant? J'irai voir dans mon coffre. Ça c'est pas mal, ça marche bien en vrai ça. Collier jaune. Ok je mettrai, attends. Et lanterne au pilier? Non lanterne je mets pas à la place des piliers, c'est je mettrai des lanternes.
Putain, ça va être impossible. Putain de merde, les gars, j'arrive pas à mettre l'escalier, ça me rend fou. Ça me rend marteau, là. Mais putain! Pardon, ça commence à me tendre. En vrai, c'est pas mal, hein, ça donne du volume. Je vais faire pareil en haut avec les piliers. Si j'arrive à y aller. Ok, et là, il faudrait que je mette quelque chose. Vous allez me dire, chat. Vu de l'extérieur. J'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment stylé, moi, perso. Dalle à l'envers. Moi, je sais pas trop. J'aime bien, moi. Ça fait du volume, quoi. Ça fait genre temple. Mets trois escaliers pour que ça tourne. Je vois ce que tu veux dire, mais non, non, justement, j'aime bien comme ça, moi. Je réfléchis. Parce que si je mets une dalle, elle va pas connecter. Alors que là, du coup, si je laisse un truc comme ça, je peux faire ça. Ah, j'aime bien, je pense que je vais laisser comme ça. Honnêtement, moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Limite, je peux mettre une dalle au-dessus au lieu d'un escalier pour poser une lampe. C'est genre en mode en bas, escalier. Et en haut, dalle. Et je teste. Ah oui, mais la dalle, il va... Là, on pourra pas poser de lampe. Faut que ça soit un au-dessus. Et c'est pas bon, du coup. Et si je fais ça? Ah mais pareil, je peux pas poser. Tant que t'aimes, c'est le principal. Bah en fait, là, les gens qui disent qu'ils aiment pas, je pense qu'ils voient pas la beauté. Parce qu'ils se rendent pas compte. Mais quand j'aurai mis des lianes, plus des pierres moussues, etc. Je suis sûr et certain que tout le monde va dire que c'est cool. C'est, en fait, c'est toujours comme ça à chaque fois qu'on fait des... À chaque fois qu'on fait quelque chose. Tout le monde finit par dire que c'est beau quand on fait la déco. Là, on n'est pas à la déco, là, on est juste à réfléchir à l'apparence de la tour. Honnêtement, moi, je pense que si ça, on le fait de tous les côtés, ça, il y a un truc. Du coup, c'est escalier aux quatre coins, plus pylône au-dessus, en dessous, escalier au-dessus, en dessous. Ok, alors attendez, on va tester. On va tester, de toute façon, et on verra. Escalier aux quatre coins... Plus pylône en dessus, en dessous. Ok, pylône en dessus, en dessous. Pardon Clara, j'ai désingué ton chat mais il était un peu gênant. My bad là-dessus. My bad là-dessus, désolé. Désolé pour le petit chat. On m'y reprendra plus. Après, faut faire des fenêtres avec le sable. Franchement, les gars, il y a un truc. Et après, il faudra que j'épaississe. Il faudra que j'épaississe le bois sur le côté et que je fasse un truc aussi pour que ce soit un peu plus joli. Merci pour le prime, Zéro. Merci mille fois. Adorable. Oh là là. Le temps qui monte, je pense que j'ai le temps de dormir et qu'il brûle. J'en ai pas d'échafaudage, Marjo. Eux, ils vont brûler en venant me voir. Tu sais, j'en ai qu'un, il est là.
Ok, alors. Ok. 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 Pour le moment, incroyable. Merci Alex, merci beaucoup pour ton sub, bienvenue. Très gentil, merci beaucoup. Ok. Ça, c'est pilier au-dessus, je me rappelle plus. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Fait douter. Chat, on avait mis un pilier là ou pas? Oui, pilier et escalier comme ça. Avec lumière au-dessus. Et merde. Je sais pas si avec du sable comme ça, je peux faire des vitres sans que ça fasse un truc chelou. Genre ça va me faire des vitres un peu violettes là? Ou pas du tout. Ok. Ça, je le fous là. J'ai plus de... J'avais looté un truc, attendez. Ça. On m'avait dit que c'était un combustible. Je me rappellerai toute ma vie. Ok, c'est quoi ça? Oh! Incroyable! Vas-y, je garde les couleurs. Je garde les couleurs. Putain, c'est génial ça! Ça fera un peu vitrail comme ça. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Il me reste plus que celle-là à faire. Pendant que ça cuit, c'est parfait. Tac, 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 ça on met là, ça on met là. Deux lampes en dessous. Truc retourné, on monte. Je me mets un petit rebord ici. Mon truc là, c'est action-réaction là. On est sur l'efficacité de chat. C'est le maître mot de cette aventure. Oh merde. J'étais un peu trop efficace là du coup. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Mon escalier. Ici, ça là, ça on casse et c'est fini. Les gars, c'est, ça va être pas mal. Il faut juste que je trouve comment épaissir mon truc maintenant. Je crois que c'est comme ça. C'est 16-32, je sais pas si ça va suffire. Je vais vitrer mes trucs. Pour que ce soit fermé. Il se passe quoi si je fais ça et ça? C'est horrible, non? Je me rends pas compte. Attendez, je vais faire mon test. Et on voit à la fin. Je pense qu'il y a un monde où ça va être dégueulasse. Et il faut que je fasse un truc avec des couleurs normales. Parce que moi, j'étais parti dans un délire où ça va faire oh, vitrail et tout, machin. Mais je crois que ça va juste faire dégueulasse. Je pense que ça va être juste dégueu, attendez. Ça va dégager, on va mettre en couleur normale, hein. Full bleu, hein, moi j'aime pas. Hein. Je vais tout enlever, j'aime pas du tout. Je préfère quand c'est en couleur normale, honnêtement, moi. C'est pas validé de mon côté. C'est pas validé de mon côté du tout, même. Donc on va attendre tranquillement que le reste cuise. Je vais tout dégager. Remarque, je vais dégager après, on s'en fout.
Je vais faire des barrières en bois. Oh putain, ça m'a fait peur. Pourquoi ils disent pas côté ? Ah ! Ils sont considérés comme non hostiles au début ? Pourquoi ils disent pas côté ? On a loupé le côté, les gars. Et ouais, là, sans poules qui font des bruits de vache. En vrai de vrai, les gars, je pense qu'on va remettre les bruits, les poules qui font des bruits de poules. Hein. Les bruits de vache, c'est vraiment insupportable. Si tu veux, ouais, vraiment, c'est trop trop chiant les bruits de vache. Mais c'était drôle, hein. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors attendez, j'allais récupérer du bois là, toute base, moi. Mais merde, alors j'ai plus de bois. What? Mais comment c'est possible qu'on ait tout utilisé? J'ai mis dans mon sac à dos, peut-être? Oh, il m'en reste pas des masses, putain! Ok. Ah, il y a le livre, il est tout le temps là, en fait, le livre des biomes. Ta tour est vraiment belle, merci. Merci Claire, c'est gentil. Tac. Je vais faire des barrières en fait. Je pourrais pas en avoir beaucoup là. Ça va pas suffire. Je voulais voir si je pouvais épaissir un peu le truc par endroit avec des barrières. Et que ça rentre bien. Mais ouais, non, c'est moche. Ça fait pas. Ça fait pas l'effet escompté. Ah, le bâtard. Ok, je réfléchirai après. Je sais pas trop comment épaissir le bord de la... du truc, là. Ou alors, je mets par endroit, genre. On peut peut-être... à la base. Attends, je vais tester de faire ça, et après de mettre un buisson dessus. Juste voir si ça crée du volume qui est agréable à l'œil ou si c'est de la merde. Attends, je regarde ça parce que pour le moment je trouve ça moche. Et ça aussi, allez, ça dégage. Ça ne me plaît pas. J'aime pas trop, il faudra peut-être que je fasse des buissons qui montent un peu plus haut, alors je sais pas trop. J'avoue que je suis un peu perdu là. Soy perdido comme on dit en Espagne. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut que je me fasse l'accès, le portail du Nether quand même. En vrai c'est un peu plus stylé si je le fais chez moi. Estoy. Si. Je pense que l'accès à mon Nether, je vais le faire par là. Ah oui, mais si je fais l'accès de mon Nether ici... Si je fais l'accès du Nether ici, les gars, les mecs... les mobs vont pouvoir venir et me péter la gueule. Sinon, ouais, il y a quelqu'un qui a dit « Fais continuer les escaliers vers le bas ». C'est pas con, en vrai. J'aurais fou squelette, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais je peux peut-être faire un truc qui descend. En fait, le truc, c'est que c'est gâché de pas profiter de la beauté du portail. Je sais ce que je vais faire. Je vais créer une échelle. Je vais faire un portail allongé, là-haut. Quelque part, je sais pas trop comment je vais me démerder. Je vais faire un portail allongé et je vais faire une échelle, comme ça les monstres en fait ils pourront juste pas monter vu qu'il y aura une échelle. C'est pas con. Ok, bon, ça il faut trouver une solution. Ah merde, j'ai pas remonté de bois. Bon, il manque un bout de bois, on le sait. Parce que ça, pareil, avec des escaliers, après, ça va être pas mal. Genre, je mettrai des petits escaliers en dessous. Peut-être que je devrais enlever une couche et mettre des dalles au bout, là, sur ce que je viens de faire.
En mode là, ça devrait être plutôt des dalles peut-être. Ou des escaliers retournés. On va voir pour le moment, je vais fermer ça comme ça. Ok. Même ça, les angles ici, c'est pas beau. C'est trop détestable ça. Bon voyage, bon voyage. Tu peux toujours faire un big portail dans l'arche, dans une arche de la montagne. Mon dieu, l'idée de fou malade. Non mais attends, par contre, esthétiquement, imaginez la folie. Je fais une arche où c'est le Nether. Attends, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Combien il va me falloir d'obsi? C'est une idée de fou. C'est une idée de fou malade. Je vais me faire un portail en attendant et on fera ça. Ça va être dans les projets. Une arche en obsidienne, ça va être dans les projets, les gars. En attendant, je vais faire ça. En attendant, je vais le faire par là, les gars. Ok. Ok, ok, ok. Nickel. Merde, bon, faudrait que je camoufle les côtés parce que j'ai envie que ça soit propre. Ok, je vais en faire un là en attendant. Comme ça, il s'intègre un peu dans le paysage. Tu cut à quelle heure? À 19h aujourd'hui. J'ai de la famille à la maison. Vous commencez à me péter les couilles. Voilà, je le dis. Je devais pas en parler, mais là, vous commencez à me péter les couilles. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, et j'ai une entrée au Nether ici. Hop, 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 le plot twist. Ben voilà, j'ai plus d'entrée au Nether, merci à lui. Mais c'est pas possible, y'a... Je pourrais même faire un truc où le décor qui est là, je le recrée un peu à l'intérieur pour faire comme si ça changeait de monde. Ça serait trop si... Vraiment, ça, c'est ce truc du portail, c'est exceptionnel. C'est trop fou d'avoir ça, genre. T'es cranky ? Oh ? Alpania ! Pakoubi, Pakoubi, Pakouli, Pakoubi, Strasou. Ça casse les couilles. Après, tu pourras décorer, ouais, bien sûr. Et voilà, au moins, on a l'entrée du Nether et elle me foutra pas trop la merde. Bah les gars, en vrai il me reste 12 minutes, j'ai le temps de rien faire. Je trouve vraiment qu'on a bien avancé. Là il faut absolument que je mette des trucs en dessous. Genre un tour en ça ou j'en sais rien. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, c'est très très moche. On créera du volume après un G. Bon, c'est pas du tout validé, les gars, pour le moment. T'as encore la bouée? Ah oui, c'est vrai que la bouée, ça pourrait être pratique pour poser les trucs. La couleur fait mal aux yeux. Ouais, ça va dégager, t'inquiète. On a fait cure de quoi les enlever. Il y a ça. Après, on mettra des lianes, de la pierre moussue. Parce que regarde, attends, il me reste 3 pierres moussues. Imaginez, là, faut se projeter quand même. Parce que
c'est pas avec trois pierres moussues qu'on va être qu'on va voyager quoi. Mais imaginez les gars, imaginez. Déjà rien que ça, ça change tout. Genre vraiment les pierres moussues, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et on récupérera tous les matériaux avec Stick Touch et tout qui sont ici pour pouvoir recréer un peu le même genre de truc là-bas en gros. On va faire la même matière. Les lianes, il y en a partout à récupérer. Ça change, en vrai de vrai ça change tout. Ça c'est vraiment trop cool. Pareil, on va mettre des arbres autour. J'ai un baobab là, venez on teste un coup. On en fait pousser un. Juste un. Est-ce que j'ai des os? J'ai dû tout jeter. J'ai dû jeter tous les os. Ça c'est de la petite terre ou du sable? Ok, et là, est-ce que j'ai un sac avec des os? Celui-là, non. Celui-là, oui. Let's go. Ça sent le baobab, ça va pas du tout aller avec le reste. Oh, waouh. C'est trop beau, les arbres dans le jeu. C'est pas un baobab, par contre, je me suis gouré de trucs, non? J'ai pris quoi, là? Ah non, c'était un truc mangrove. Baobab, c'est ça. Et merde, je vais en mettre un de l'autre côté. Merci, mademoiselle Emma, pour le sub offert à Palatin, c'est gentil. Merci mille fois. Ok, je vais en mettre un... là, mais je sais pas si là, il va pouvoir pousser, les gars, honnêtement. Je pense qu'il est gêné par les arbres autour. FF. FF, ça marche pas. Il faut que je décale un peu plus. Je vais mettre là. Ok. En mon humble imo, ici ça fonctionne. Et là, bah j'ai plus de trucs quoi. Bâtard. Ok, c'est quoi qu'il a donné? As a chance to light attacker on fire. Ah bah ça sert à rien en vrai, je brûle déjà les gens. Je pense que ça c'est inutile. Vu que je brûle déjà tout le monde. Nether. Ah mais oui, mais putain, vous avez raison. Chercher un bloc d'os. Merci les gars, c'est une super idée. On a tellement de trucs à découvrir dans le désert, dans le Nether encore les gars. Je prends ça tant que j'y suis. Merci Anis pour les 52 bits, merci mille fois. C'est possible les gars d'invoquer les boss des subs dans le Nether? Ou tu peux pas? Oh. Je vais libérer l'autre côté. Je crois oui, ok. Donc là je suis dans le monde normal là. Par l'autre côté du truc, c'est tellement stylé. Grand jump boost. Ok. Je vais dégager quelques trucs. Rocky Stone en désir, ça c'est bien, on pourra varier un peu les plaisirs. Je vais juste sortir par l'autre côté, comme ça j'aurai deux sorties si jamais il y a une couille un jour. Il faudrait qu'on ait un truc touché de soi. Magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Ok. Je vais laisser comme ça, on s'en fiche.
Ok. Il faudra aussi que je sécurise mes portes pour pas que les mobs ils puissent rentrer. Je vais mettre une porte au milieu et après je mettrai du verre autour, je pense, un truc comme ça. Pour que ça soit un peu stylé. Putain, mon inventaire il me fait mal à la tête, les gars, je vous jure. Je vais me focus sur une façade. Et je dégage la fougère. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment trop beau, les gars. Mais attends, c'est pas encore la musique de merde de tout à l'heure? Allez, j'en peux plus. Je sais pas pourquoi ça se met en automatique, mais ça se met en automatique, ça rend dingue. Ça, je peux pas le poser, ça doit être sur du sable. J'ai pas oublié l'arbre, les gars, vous en faites pas. Ok. Oh, attendez. Je vais changer un peu les matières. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rocky Stone. Avouez là, les gars, vous rendez compte que vous avez mal parlé tout à l'heure. T'as moyen de me résumer en despi. Merci Croco, merci mille fois. En gros, c'est une aventure dans laquelle vos subs, les subs offerts, les dons, les bits, les tous les points de chaîne ont des influences sur le jeu, en gros, sur ce qui se passe dans le jeu pour moi. C'est trop. Non, franchement, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Ça va être cool. Une fois qu'on aura tout fait, ça va franchement être cool, les gars. Même je ferai des escaliers dans d'autres textures, enfin. Il y a plein de trucs à faire. Ça va vraiment rendre bien. Oh là là, putain, je vais finir par la reboucher cette faille. Hein. Le bois sur le côté, je trouve ça plat. Moi aussi, on trouvera une solution. On réussira à mettre des trucs. Ok, alors attendez. Maintenant. Voilà, genre ça. Là, t'as l'exemple parfait d'à quoi servent les points de chaîne. Ah, bâtard, comme par hasard. Oh! Oh! Un diamant plus une pioche en diamant. Incroyable. Ah, lui, il a mis très, très, très bien, lui. Il y a un silverfish quelque part. Ok, il faudra qu'on range l'inventaire. Je vais faire pousser le baobab, les gars. On dirait une métaphore sexuelle bien dégueulasse. Ok, je vais mettre là le charbon, on y pensera un jour, j'imagine. Ok. Je pose la terre, je pose un peu de pierre, on verra plus tard. Ok, quelque chose le bloque. Est-ce que c'est ma maison? C'est possible en vrai. C'est tellement énorme, les gars. C'est carrément possible que ce soit ma maison qui bloque. Je vais essayer de décaler derrière comme ça. Ok, peut-être ça. Si vous avez une idée de ce qui peut bloquer, n'hésitez pas, les gars. En 3x3, peut-être. Ça existe, ça? J'en ai cuit, de toute façon. L'arbre à gauche, vous pensez que c'est ça? Oh, j'ai cru que c'était un bruitage! La seule fois où je m'inquiète, c'est un vrai... où je m'inquiète pas, c'est un vrai creeper! Oh là là, putain! Ok. Putain, pour une fois que je me chie pas dessus, c'est le pire truc. J'ai la chanson de con dans la tête. Ça vaut toutes les tartelettes du monde.
Merci Segpa pour les 20 subs. Je suis où, putain de merde? Ah bah là, les poulets, c'est pas ma faute, hein. C'est... Voyez ça avec Segpa. Est-ce qu'on en profiterait pas pour se prendre un petit peu de poulet? Vas-y, on va passer au poulet. On passe au poulet rôti, les gars. Ah ça, ça va, les gars, c'est la vie. C'est aussi ça la réalité de la vie, voilà. Fuyez tant qu'il est encore temps, les subs. Merci beaucoup, mon Segpa. Cool chicken. Voilà, vous êtes tous des poulets cuits maintenant. Vous continuerez à vivre en moi quelque part. Ok, alors, où est ma maison du coup? Putain de merde, ça casse trop les couilles le truc de téléportation. Bah comment je fais pour savoir? C'est quoi ma maison, les gars? C'est quoi les coordonnées? Il est 19h, putain, exact. Oh, let's go, c'est bon, j'ai retrouvé. Let's go! C'est magnifique vers chez moi, par contre. Hein. Les gars, les fonds marins avec les lumières, les trucs et tout, c'est exceptionnel. Oh, le temple sous-marin, il est trop loin. Vous pouvez l'enlever de la commande, les bodos. Oh, 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 oh. Ah, pardon. Il y a un... Il y a un creeper avec les poulets. Bon, là, le baobab, il devrait pas avoir de mal à pousser. Voir le positif. Il y a un bug de lumière. Attendez, je vais aller dormir. Et après, on va tenter de faire pousser le baobab. Merci Sekpa pour les subs. J'ai de la chance cette fois, on n'est pas dans l'eau. Merci pour les 20 subs au fer poulet. En plus, tout à l'heure, il a bien dit « Oh, désolé !» Il a bien dit « Oh, désolé !» et tout. Je me suis dit « Bon, mais il va plus le faire. » Oh, attendez, par contre, là, il y a moyen de looter un bête de truc. Non, 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 non. Faut vraiment que je mette une porte à ma maison. Indispensable. Ok, je fume tout le monde. Je me casse. Le creeper, ça aurait pu être terrible. Allez, vite, comme ça je fais mon baobab. Après, je déco. Personne ne peut me péter les couilles. On est bon. L'heure de dormir. Ah! N'empêche, je suis passé à 600 subgifts. Putain, c'est tellement énorme en vrai. Merci beaucoup, poulet, pour le soutien. Merci mille fois. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on veut faire, baobab? Mais mec, c'est pas possible. Ok, on rebouche les trous. Mais putain, pourquoi il y a encore des ennemis partout? Allez, on dégage, on dégage. On va se faire foutre gentiment. Merci à tous. On est presque, les gars. Je rebouche juste ça parce que c'est trop moche. Et après, je fais mon baobab. Bon, on fait demi-tour. J'ai eu pile poil ce qu'il fallait. Ok, et mon baobab, il est là. Bah, je comprends pas, les gars. Je vais essayer de décaler un tout petit peu. Bah genre... Je serai jamais tranquille. Putain de merde. Mais putain de merde. Non. Non, ma maison. Mais putain, c'est pas possible. Je veux juste déco, moi. Non. Non, mes coffres. Thank you.
J'ai tout mis par terre. Ça ramasse rien. Ma maison, elle est foutue. Quoi ça par terre? C'est pas drôle. C'est plus drôle là. Putain, tout est pété, tout ce que j'ai fait. L'autre côté, c'est comment là? En vrai, ça donne un côté un peu ghetto, un peu abandonné. Je laisse comme ça, les gars. Ça donne un côté un peu ghetto. Faut que le prochain live, on met des lumières. Hein. Prochain live, on met des lumières, les gars, y'a pas le choix là. Pourquoi y'a eu côté? Il est où? Il est où? Pourquoi ça pousse pas? Les gars, je comprends pas en vrai. Merci Thomas pour le sub offert à cavalier. Mais je capte pas les mecs par contre. Je vais essayer d'en faire pousser un au milieu de nulle part pour voir. C'est pas possible, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, les gars. Je vais essayer d'en faire un là. Là, y'a rien autour. Peut-être c'est trop gros, hein. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Non. Oh, c'est bon, putain, c'est les trucs en retard. Bah, les gars, je comprends pas. Pourquoi le jeu refuse? Refuse. 3x3, apparemment. Donc j'ai une graine en... Il me manque une graine. Vu la taille que ça fait à la base, c'est pas impossible hein, que ce soit 3x3. C'est psychologiquement très compliqué, là, cette aventure, les amis. C'est vraiment complexe. Bon, bah, l'heure est venue pour moi de couper. Et de partir. Voir les gens qui m'attendent et qui me veulent pas de mal. Merci Raph, merci beaucoup. Ok, je sais pas ce que c'est. Mangrove, c'est vraiment très beau. Oh mais putain, ça a re-enlevé tout le truc. C'est trop moche les trous, les gars, va falloir que je fasse quelque chose, hein. Ok. Je vais prendre un petit étage là de machin et après j'y vais. Déco dans le poulailler. Bah je la ferai la prochaine fois. La prochaine fois on va continuer d'avancer ce merdier de toute façon. Je vais reboucher la terre, je vais juste remettre un arbre de mangrove du coup en attendant. Pour essayer de faire plus joli. Oh, oh oui merci. Merci merci. Merci mille fois. Merci, j'ai l'impression qu'on me nourrit, merci, c'est pas assez gentil. Cadeau, merci pour la vie en plus. J'ai l'impression d'être Jacouille la fripouille à qui on jette de la bouffe. Je vous jure, c'est le feeling exact que j'ai. Merci beaucoup pour le soutien. Ok, ça c'est bon. Je rebouche ça. Là, j'enlève. Et là, je me fais un kiff. C'est trop joli, sérieux, les gars. J'aime vraiment trop. Ok, nice. Et on mettra un baobab l'autre fois. La prochaine fois, on ira en chercher. Merci, mes loulous. Merci, mon Thomas. Merci beaucoup. Incroyable. Chat. Putain de merde, j'allais dire j'y vais. N'offrez plus rien, chat, je vais déco. Oh, mais il renvoie les flèches. Oh, ok. Utilisez plus rien, chat, j'y vais. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas. Attends, pitié, me dis pas que t'as fait une dinguerie. T'as de la chance.
Y'a un bug ou y'a rien? Il faut que je range quand même mon merdier en speed. Et ça aussi. Comment je fais? Y'a pas une technique? On peut déplacer des coffres pleins? Y'a pas un mode pour déplacer des coffres remplis, chat? Vraie question, chat. What the fuck, Val, sérieux? Trop dommage de les avoir tous enlevés. Il a enlevé quoi, Val? Ah, toutes mes vies en plus. 500 000 points de chaîne, ça a claqué tout à l'heure pour me faire chier. Bisous, Tomus, bisous, merci encore pour le soutien. Remplacer les coffres par des sacs à dos, ça marche. C'est vrai que c'est pas un mauvais call, en vrai. Hein. Avoir tout le temps sur moi tous mes sacs à dos. Mais le truc, c'est que si je meurs, les gars... Si je meurs, c'est vraiment la merde de fou. Ok. La mousse, c'est joli, ça. Je pourrais le mettre quelque part. Ok, ça, pour faire pousser et tout, je laisse. Mais je vais mettre tout ça, là. Tout ce qui touche à la déco de près ou de loin, je vais le mettre. Ça, c'est des arbres. Ça, on sent... Mes vitres. Ok, alors attendez, je peux remplacer mes vitres aussi. Putain, mais non, mais faut pas que je fasse... Non, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Je vais déco trop tard, sinon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça. Là. Ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Je vais mettre là avec le reste. Ça, c'est bon. Ça, c'est... J'ai des lampes en déco. En vrai, honnêtement, les gars, je pense qu'on va réussir à faire un truc qui est cool. Je trouve vraiment chouette, là. Tu peux poser les sacs à dos par terre comme des coffres. C'est pas vrai. Mais mec... Mais... Ok, prochain live, les gars, je fabrique 50 sacs à dos. C'est fini. C'est fini, les mecs. Plus jamais j'utilise un coffre de ma vie. Prochain live, on fait un live sac à dos et on set up une armée de sacs. Oh là là, c'est incroyable. Et attendez. Est-ce que je peux mettre des sacs à dos dans un sac à dos? Ou pas? Oui. Les amis, je file. Merci à tous d'avoir suivi le live. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tout le soutien. 212 subs. C'est lunaire, les gars, la force que vous me donnez. Merci énormément. Je suis trop content que ça vous plaise. Il te faut l'inception grade pour mettre les sacs à dos dans les sacs à dos. Ben, on fouillera ça la semaine prochaine. Enfin, au prochain live sur le jeu. Bisous à tous, chat. Merci pour la force. Rendez-vous semaine prochaine. Ou non, demain. Peut-être que demain, j'ai le temps de stream. Je sais pas. Soit demain, soit après-demain. En attendant, prenez soin de vous. On est presque 3000 subs, c'est insane. Merci du fond du cul. Demain, je sais pas ce qu'on fait. Ça va peut-être être Minecraft, peut-être autre chose. Je vais voir selon. Ou peut-être rien, parce que vu que j'ai de la famille, je sais pas comment ça se passe ma journée, donc ça sera un peu la surprise. Gros bisous, merci pour tout encore. Et la semaine prochaine, on réouvre des cartes. Au revoir, chat. Au revoir. Et merci au modo d'avoir modéré.